Pousse-le mec, pousse-le, pousse-le mec, pousse-le, pousse-le, Bibalou, tu peux toujours faire, pousse-le, il est au bord du vide, let's go. Oh, what? 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 What the fuck, man? What the fuck? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais quoi? Mais... Kill, c'est pas le vrai, donc Balek, c'est pas le vrai Rick, donc Balek. Eh hey, si, c'est le vrai Rick. C'est moi qui ai dansé. Non, 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 démarre, 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 démarre. Non, 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 celui-là, t'en rends. Celui-là, t'en rends. Je prends que des points, là. Oh, attention, attention, attention. Toujours pas. Allez, ciao. Oh, let's go. Allez, connard. Allez, oh, laisse-moi, tu l'as enfermé. Allez, tu vas te coucher, gros. Oh, c'est beau, ça. Mais t'as pas d'épée non plus. Mais non. Mon épée. Alors, je suis au gros, je suis en salique ou je suis en personne. Ah bah... Trop tard. J'en ai marre. Ça veut pas, hein. Allez, on va venir, hein. On va venir, on va venir, on va venir, regarde. Regarde. T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Oh, y'a, 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 y'a. Oh, il était bon, celui-là. Attends, qu'est-ce que tu m'as donné, là? C'était pas très la gentillesse. Oh, oui, bah télécharge ça, si tu veux. Vas-y, on va prendre le raton dans le petit cut dans le tunnel. Ah oui, 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 oui. Attends. Attention, prépare-toi. Vas-y, go. Alors, messieurs dames, s'il vous plaît. Messieurs dames. Messieurs dames, s'il vous plaît. Je suis coincé. Au secours. Non, sérieux, je suis coincé. Non, j'ai fait un... Pourquoi je trouve tout de suite le premier bug dans ce jeu là? S'il te plaît. Mais non, mais s'il vous plaît. Je suis coincé. Aidez-moi. Arrête de boire, toi. Aide-moi.
Et bonjour à tous et à toutes, c'est Zygmore France, bienvenue dans ce nouveau live, j'espère en tout cas les gens que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui messieurs dames, on se retrouve pour du Etheria 3, voilà, on continue l'aventure de Etheria 3, je ne sais même plus à combien d'épisodes nous sommes sur le serveur, on va pas se le cacher. J'ai regardé vite fait si tout fonctionne, touc touc touc. Bonsoir à 4 tiers qui nous rejoint dans le chat, bonsoir à The Passionné, encore une fois The Passionné, qui prend son travail de modérateur à cœur du coup et qui nous épingle des petits trucs assez sympas des petits messages d'attente dans le chat, ça fait plaisir mon cher passionné, bon taf. Bonsoir à Pectory64 qui est parmi nous dans le chat aussi, qui vient de nous rejoindre. Voilà, excusez-moi les gens, j'ai pris un petit peu de respiration parce que je vous explique un truc, je suis sous état grippal ce soir, voilà, disons que vu que je suis sous état grippal, ça veut dire que je suis enrhumé et que du coup mon nez est bouché, donc du coup pour respirer je dois reprendre ma respiration comme ça. Du coup c'est très relou. Pour une fois je suis à l'heure, effectivement mon cher Katir qui est à l'heure, ça fait plaisir de voir ça, il y a des gens qui sont à l'heure aussi ce soir, voilà. Et passionné qui me lance le défi, qui est donc de tester sa map pour la retrouver. Mon cher Patio, ta map, je le ferai semaine prochaine. Voilà. Voilà, maintenant j'ai assez de coins. il peut se prévenir. Il peut se le permettre. Que je regarde vite fait, tac tac tac. Ok. Messieurs, dames, ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, nous allons continuer un petit peu les petits projets que nous avons aux alentours, en fait, par-ci par-là. Et notamment, on va découvrir un petit peu ce que Passionné nous a préparé concernant le garage à bateau. Voilà, parce qu'il a terminé le garage à bateau, voilà, donc on verra ce qu'il nous a préparé. Ce soir, on ne sera pas tout seul, on sera aussi en compagnie de Larateza, comme vous pouvez le constater juste là, voilà, qui m'a proposé de faire un petit live duo, donc vous pourrez aller voir sa POV sur le live. Lara qui m'a dit qu'elle voulait faire une maison dans le village Potter, du coup, donc notre village de PNJ, donc il faudra lui trouver le terrain adéquat pour ce qu'elle veut faire. Donc on s'occupera de ça dans la vidéo, voilà. Et puis après on verra ce que nous ferons, je crois. Ah si, mince, j'avais oublié, j'étais dans les grottes, donc c'est-à-dire il va falloir que je remonte. Ouais, bah je crois que je vais faire ça, je crois que je vais remonter des grottes et puis je vais retourner à Podcraft City. Voilà, tout simplement. Sans plus tarder, je vais me connecter au serveur et puis je vais pas tarder justement à vous montrer le jeu. Voilà, d'ailleurs je pourrais vous montrer le jeu en petit aperçu. Voilà, bonsoir à tous, voilà, nickel. Alors messieurs dames, effectivement nous étions enfermés dans les grottes les gens, donc il va falloir qu'on fasse pas mal de choses. Voilà, comment ils vont, moi ça va, touk touk touk. Ok. Ouais, donc les gens, écoutez, on était là, on a miné là, c'est ça là? Non, on n'a pas miné là. Je sais pas où on a miné les gens. Ah non, attends, si, c'est là. Mais ouais, attends, c'est pas là. Bon, grosso modo, je sais pas où on a miné. Je pense qu'on va on va creuser tout droit et puis on va prendre les coordonnées et puis on reviendra là quand on aura fini de miner. Voilà. En attendant les gens, on va se redémute et on va dire bonsoir du coup aux Zozo. Voilà, et puis on va voir du coup qu'est-ce que Patio a nous montrer. Bonsoir messieurs. Eh bien le bonsoir. Et dames avec Lara. Bien bonsoir. Alors messieurs, dames, bon du coup comment ils vont les gens? Est-ce que vous aussi vous êtes sous état grippal ce soir? J'ai un peu le nez qui coule mais ça va. Non, moi ça va, je me suis enfin fini mon rhume d'octobre. Hop, pas malade, bon bah y a pas de la maladie quelque part.
Ah, il y a deux creeper ninja qui veulent m'attaquer. Let's go, les gens. Bah alors, je suis actuellement en grotte, les gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement bah, déjà me débarrasser des creepers avant que je meure. Oh putain, il y a une chauve-souris à la dégager là. Bah, il y a un zombie qui est derrière finalement. Je vais chez vous, ok, pas de soucis, Lara. Donc, messieurs et dames, dans cet épisode, voilà, on a plusieurs choses à faire. Voilà, bonsoir Snowluxa qui nous rejoint dans mon chat Twitch, du coup. Comment il va, le Snowluxray, là? Snowluxray qui n'est pas malade, de son côté. Aïe, what the fuck? C'est une bien bonne chose. Ah, Snowluxray, il est paré pour le prochain Luxury Plateau, là, du coup. Oh, mais laissez-moi! Au secours! C'est quoi, Gamer est mort. Ah! Le harcèlement... Oh, mais au secours! Mais... Y'a tout qui veulent ma peau ou quoi là-dedans? Putain, j'ai cru que c'était un gaz qui m'attaquait. Pas de ouf, mais on lâche rien, ok, pas de soucis, Snow. Bah, de toute façon, ouais, on lâche rien, les gens. On lâche rien, faut jamais lâcher dans la vie. Bon, est-ce que je peux monter sans me faire agresser par un nouveau mob? Hop. Et après, le nouveau mob peut arriver. Here we go! Snow Garden et tout ça. Merci, Factory, pour le sound alert. Ça encourage, Pectory. Ça encourage. Bon alors Lara, j'arrive bientôt pour que on puisse se voir pour ta parcelle et puis après passion, on s'occupera du coup de ce que tu nous as préparé à propos de du fameux garage à bateau. Yes. Voilà. Ils s'en foutent de ma maison. Et ta maison aussi, Tarisios aussi, que je regarderai juste après bien évidemment. J'ai compris que tu t'en foutais, mais voilà. Tranquille. Hop. Ouais, du coup, Factory qui est toujours en pause sur Eteria, donc malheureusement qui n'est pas en vacances avec nous. Non, c'est juste qu'il peut pas parce qu'on est pas en vacances scolaires. Et aussi qu'on n'est pas en vacances scolaires aussi, donc effectivement. Où est-ce qu'on range déjà les Netherwart? Les Netherwart, je crois qu'il y a un code du Nether pour ça. Mais je sais pas combien de potions par contre. Pourquoi des Honey Buttle dans le... Mec, où est-ce que je me suis carré? Genre, je sais pas où je suis perdu. Y'en a un qui serait au village pour me dire les coordonnées vite fait. 7100 moins 1500. Moi, j'allais directement sur le serve de Vakin et aller sur Dynamo. 7100 moins 1500. Eh bah les gens, je vous annonce que je suis à l'autre bout de la map. Annonce que t'es proche de Tony. De Tony? Déplace-toi vers le nord-est et tu peux te retrouver chez Tony là. Ah oui, du coup, je vais pouvoir récupérer le portail, ok. Ce que tu peux faire, c'est tu prends un under chest qui est à côté et tu meurs. Regarde sur Dynamap où est-ce qu'il est. Ouais, non, il est mort, position de minage. Non, nord-est, va nord-est, de l'autre côté. Bah, c'est nord-est là-bas, hein. Ah non, là-bas, ok, c'est bon. Dynamap, hein. Non, c'est bon, ok. Ouais, nord-ouest, nord-est, c'est deux choses très différentes. Je rame quand même. Ah. Attends, comment ça se fait que je suis aussi proche de Tony? What the fuck, qu'est-ce que j'ai fait? T'as miné. Ah, potentiellement. Éventuellement. Ah, il y a des messages sur le King Defender. Quelle est donc cette super chérie? Est-ce que quelqu'un a besoin de bouffe? Je viens de faire 5 stacks de bouffe là. Mec, faut arrêter. Le coffre à bouffe, il est rempli. Je crois qu'on a 2 coffres à bouffe qui sont remplis maintenant. D'ailleurs, ouais, les gens, j'en profite pour faire la pub dans le chat. Mais du coup, samedi, je retente. Fais chauffer ça. Samedi, du coup, pour ceux qui le savaient pas, je retente justement une game de King Defender, vu que la dernière fois on n'a pas pu la faire parce qu'on n'était pas nombreux. Voilà, je vous mets le Discord. Pour ceux qui veulent rejoindre le King Defender, c'est samedi à partir de 14h-15h. J'ai pas encore officialisé l'heure. Je pense potentiellement vers 14h30-15h, sûrement. Donc on verra ce que ça donne. Hop. Et nous continuons notre épopée vers la maison de Tony. Bientôt chez la maison de Tony, environ 400-500 blocs.
Ok. Après ça, je peux pas faire d'autres indications. Hein. C'est vraiment juste, tu, si tu retrouves Tony, tu retrouves comment s'appelle l'autre. Bah là, actuellement, je suis de chez où? Je suis bientôt arrivé chez Tony ou pas là? Ouais, faut juste que tu traverses la savane où tu es après. Ok. Oui. Moi aussi, je fais mes activités que j'aime faire du moment. Comme là, j'ai envie de travailler sur PowerPoint. Eh bah écoute, mec, travaille sur PowerPoint. On peut peut-être ton musée. Allez. Attends, je vais juste mettre mon spawn point au cas où. Attends, Lara. Comment ça, tu fais un musée des têtes? Plagiat. Ouais, j'avoue, là. Ça plagia les autres, là. Moi, je dis, on doit porter plainte. Hein. Moi, je dis, on demande des intérêts. Après, faut pas que plainte soit trop lourd aussi, parce que sinon, on va avoir du mal à le porter. Ah, j'avais pas vu, gros. Ça, vous, sinon. Il y a eu un message sur Etheria, là, serveur. Oui, c'est Discord. Mignon. Ouais, complété de request, ouais. D'ailleurs, j'ai vu vendredi, il y a une annonce sur Etheria, le jour où je peux pas être là. Parce que je suis en luxury plateau. Ouais, bon, par contre, non, mais. Bon, si t'as envie, tu peux y aller là. Bon, après, c'est quoi? C'est juste pour annoncer que le monde attraction est enfin ouvert. Et bah, les gens. Mon cher Patio, tu sais quoi? Bah, les shulkers que tu nous as ramenés de glace là, ils vont nous servir. Oui, sachant que j'ai encore deux shulkers de glace totalement entières, je te remercie, les gamers. Tu veux des blocs de glace? Non, il me faut juste des blocs tout court parce qu'en fait. Lara, si tu peux me donner des blocs parce que mon truc il est en haut de ma maison. J'ai porté plainte à la justice de Etheria. Fais tuer par Lara Teresa la poutre de. De quoi? Genre Lara, elle a une épée, elle s'appelle la poutre de Lara. Donc Lara est transsexuelle, on adore. Tranquille. Attends, je te remets ça et je te redonne. Aïe, je me fais agresser par un squelette. Je me fais agresser par un petit squeletton. Quelqu'un pour dormir? Alors, je suis pas loin. Oui, je suis pas chez moi. Je suis à côté de ma maison. Voilà. Ah bah. J'ai même pas eu le temps. C'est ma tête, hein. Bah, Lara va tuer les passionnés, hein. Non mais pour ma tête, il y a des têtes partout. Il y en a partout de mes têtes. Alors non. Bien ça, je refuse. Allez, envole-toi. Oui. On va juste récupérer une tête de plus au cas où. Attendez, j'arrive. Bon, balance moi, j'ai plus de firework. Ah. Venez devant chez moi, ça évite d'aller trop loin. Je mute vite fait le chat pour vous annoncer aussi d'ailleurs la soirée de Devour qu'on avait fait avec Under Ice, Will Boss Gamer et Counter-Effect. Je suis actuellement en train de la monter et bah devinez quoi, bah cette vidéo sera faite en 3 parties parce qu'on a fait 3 games, voilà, et que bah honnêtement il y a tellement de choses qui sont passées en fait que je peux pas tout mettre, donc les gens, attendez-moi à avoir 3 vidéos. Et pour l'instant là je suis rendu, allez, je crois à 50% du montage de la première vidéo d'Evour, donc écoutez les gens. Niveau jeu d'horreur, vous allez être servi, j'ai envie de dire, sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne Short aussi, ça fait plaisir, voilà, ça stonks. Oui. Ah bah la mairie, au stockage. Il y en a dedans. Vous l'avez tué combien de fois la dernière fois? Parce que là... Une dizaine de fois, ils m'ont tué. Deux fois et ils ont quatre têtes. Il y en a même là. C'est pas grave, je suis partout. Bon, alors je suis dans une. De moins, hein, ça fera juste baisser la valeur. Hein, c'est pas comme ça que tu valais grand chose de base. Bon, attends, je suis dans une jungle actuellement. Donc je vais faire un truc. Hop, je vais me poser là. Voilà. Je me pose là, les gens, je reviens, je mets le. Je mets mon live en pause, les gens, je reviens. J'en ai pour 5 minutes. Ouais, du coup, les gens, je reviens dans 5 minutes. Voilà, je reviens. Voilà, juste, je reviens. Ne bougez pas, les gens. Je suis à vous dans pas très longtemps. A tout de suite.
Relais gens, excusez-moi. Excusez-moi de l'arrivée, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, très bien, il y a mon casque qui fait des crac-crac. Il fait crac. Il fait kick, il fait cri-cri-pay, cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Bon, alors, messieurs, dames, hop, on est de retour. On est de retour, messieurs, dames. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Bill Bourriquin. Aujourd'hui, on va prendre des donuts à 70 km/h. Voilà, excusez-moi, c'est que, vu que je suis sous état grippal, il fallait que je prenne mon petit traitement. Et re les gens. Re les gamers. J'ai fini en live la dernière fois avec des gamers. Tu parles de quoi? Le viaduc. Ah oui, le pont. C'est vrai que... Non, t'attends comme tout le monde. Je veux juste aller faire une petite modif. Bon, j'en suis où là avec la base de Tony là? Parce que si en fait c'était de l'autre côté, les gens, je vous tue. Hein. De quoi? Elle est où la base de Tony? Bah en fait, là, t'es parti tout le monde, qu'il faut que tu partes au sud. Va au sud. Non, mais tu te fous de moi là? Non, mais c'est. Non. Non, mais votre pote, non, mais c'est quoi ce GPS qui me dit d'aller à l'opposé quoi? T'es dit nord-est? J'ai passé le truc parce que je te regardais pas, parce que je. Ouais, parce bon, que je devais fermer du truc. Je vais mettre la DIN map, au moins on sera clair, parce que bon. Le GPS qui me fait aller à Marseille alors que je vais aller à Paris, bon, voilà quoi. C'est où le sud? Bah c'est là-bas le sud. Bah voilà, je savais, j'étais à l'opposé. Bon bah très bien. Bah à l'opposé de... Si, je suis à l'opposé là. Je suis désolé. Tu me dis d'aller au nord-est et puis là maintenant tu me dis d'aller au sud. Et de base, c'était en bas à gauche de chez Tony. De te dire, je t'ai bien fait avancer. Oui, bah, tu m'as bien fait avancer, mais moi j'ai continué nord-est. Tu me dis nord-est, et bah je vais nord-est. Bah, quand t'es on peut pas te parler, c'est. Tu vois, c'est. Bon, c'est pas grave, les gens, on est bientôt arrivé à la base de Tony là. Ah, cette excursion là. Attends, c'est pas mon chien Linux. C'est pas mon cheval Linux, normalement. Ah, si, ça fait bien. Bon après ça va, j'ai quand même ramené des ressources donc j'aurais pas besoin d'y retourner après. Je pense qu'après moi, les gens... Je que j'avais laissé un de mes chevaux au niveau de chez Pecuri dans ce truc à aller. Lara, question, la base de chez Tony, elle est link au spawn? Au niveau rail? Ouais mais d'abord peut-être chez Taymir. Et pourquoi tu passes pas par le Nether? Mais en fait, c'est ça qu'il dit, mais... Parce que je soutiens le transport ferroviaire du serveur, ici. C'est pas pour ça que j'ai fait... j'ai fait une SNCF, donc bon, voilà. C'est censé être un but énorme. Fallait juste cacher Tamir et prendre le train. Et bah voilà, je vais soutenir, du coup, la SNCF du serveur. Prendre dans le wagon, j'en ai pas. Par contre, t'auras besoin d'un wagon sans problème, j'ai dû faire. Puis sinon, bah, j'en piquerai dans les coffres de Tony au pire, et puis voilà. Ou de Tamir. Puis on verra bien. Voilà. Moi, je vais sur Tok Tok en t'attendant. Tok Tok. Ah ouais, Patio, tu. Ouais, j'avoue, profites-en de cette appli avant qu'elle soit supprimée à cause du ballon chinois. De quoi? Non, rien, t'inquiète. De l'appli chinoise qui veut faire tomber un jeu de YouTube là. De quoi TikTok, je sais pas moi. Ouais. Non mais bon, c'est pas que genre j'ai ultra bossé, mais bon. J'ai droit à une petite pause. Ouais bah justement. J'ai deux jours pour faire un tunnel bientôt. Oh c'est en sympa plus, ici là. C'est sympa chez Tony là. Bah regarde-moi ouais, ça. Ah c'est j'ai sympa. Jamais visité. Non j'ai jamais visité. Bah j'ai jamais pris le temps de visiter les autres villages en fait. Bah une fois j'avais besoin d'une armure, je suis allé chez lui juste pour lui taxer ses villageois. Oh les gamers, je pensais que t'étais un voleur, ça va. Ah. Comment ça, je suis un voleur? Ah ça a mis des points de chaîne, c'est ça? Non j'ai pas compris, d'accord. Bon bah je me suis fait insulter gratuitement par Pectory. Hop, alors du coup. Les minecarts. Oh, c'est sympa le petit marché là! Reviens en arrière de l'autre côté, genre vers le nord. En fait, normalement, c'est censé trouver une grande étable au-dessus d'une montagne. C'est là où t'as le chemin pour retourner. Non, bah je visite un. J'en profite, je visite. Hein. C'est à côté de la tour.
crois. Ouais, c'est à côté de la tour. Ah bah c'est ça. Une alors. Grande tour, tu vois, c'est à côté. Bah c'est ça alors. Ah non, ça c'est du PNJ encore ça. Non, ça c'est PNJ, c'est là où on taxe. Oh la fontaine elle est sympa. Aïe. Bah alors. C'est ça là. Non, ça c'est une tour de guet ça. Lara, regarde ton live, regarde où est-ce qu'il est perdu. Regarde où est-ce qu'il est perdu, mais en même temps, mec, il me dit. Mais ça, c'est pas moi, mais ça. Je te donne toutes les indications pour sortir de cet endroit. Les gamers, il te faut quoi? La sortie de ton village en train. Non, c'est pas ça, tu as dit tu vas voler le coffre de Tony. Bah, juste emprunter du fer pour que je puisse faire un minecart, quoi. Ou alors j'y taxe vite fait, c'est fou, quoi. Ah, bon, bah rip. Faut se rendre chez Tamir. Ok, vas-y. Je suis Tony, là. Vas-y, je suis Tony, là. T'as gardé la boussole au cas où si tu perds ton stuff. Ah bah, c'est là, du coup. Non, mais... Non, mais j'adore Tarexio, c'est là. Mais je te dis, c'est à côté de la grande tour. Mais tu m'as dit à côté, tu m'as pas dit dedans. Ah non, ça c'est juste pour faire, oui, ok. Non, mais dedans, c'est... Moi, je suis pas monté dedans, en gros, c'est juste pour qu'il te fasse visiter. Je crois qu'il y a juste du... Voilà. Précisez, les gens. OMG. Oui, bah là, moi, je suis pas allé dans sa ferme à faire, hein. C'est... Je vois le bon, hein. Merci. Je peux rentrer chez moi, maintenant. Ou c'est prise d'otage. J'ai vu, merci, j'ai utilisé, ouais. C'est bon, j'ai. Tu vois, du coup, tu vois derrière Tony, c'est là où tu peux sortir. Hop. Ah bah voilà. Il me dit c'est à côté. Mais je disais pas pour faire, je disais juste pour partir. Ah bah là, du coup, c'est tout droit. Ok, c'est bon. Ah oui, non, il a même fait des murs. Hop. Donc, prochaine fois, je demanderai à Tony de me servir de GPS. Alors. Bah aussi, moi, j'étais pas à côté et il y avait un petit peu de latence avec ton stream, alors voilà. Mais tu me regardais sur Dimap un moment. Oui, bah sur Nimap, entre temps, je vais regarder ton stream pour savoir dans quelle direction tu regardais. Tu peux y aller ? Moi, quand on me demande d'indiquer un chemin, je regarde. Moi, quand on me demande d'indiquer un chemin. Ah, ça Non, mais pas sûr qu'il meurt face à Tarexios, OMG. Ça part en il drama. A tué le gardien ! Assassin ! T'inquiète, Patio, t'inquiète. Il fera pas long feu. Reviens là ! Prends ta litra. Ah, mais en fait, j'ai plus de fusée, en fait. Vu que Mini Poto, il est en grève, là. Voilà. Parce que Mini Poto, il est en grève, donc du coup, j'ai plus de fusée. Ah non, c'est Lazare qui s'occupe des fusées, pardon. Bah, je sais même pas s'il est en armée, d'ailleurs. Non, tu vois, il y a même plus de fusée d'armée. Ok, j'ai rien fait, je me prends des tatanes. Dis le mec qui m'a frappé avec son épée enchantée. Parce que... Non mais attends, t'as cassé des blocs. Ah, c'est pas assez. Oui, ça s'appelle Minecraft. Bonsoir, je suis le gardien. Bonsoir, j'ai Tony. Suivi la formation. Bonsoir à Tony et Mini Xantis qui nous rejoint dans le chat. Comment ils vont les gens? Comment ils vont? Moi je suis malade. Et demi-tour, je te donne des fusées. Non, il y en a pas besoin. Ah non, mais c'est bon, t'inquiète Tony. T'inquiète, ça ira. Tu m'as déjà donné le chemin. Tu m'as déjà donné le chemin, Tony, moi ça me va très bien déjà. Et bah s'il va bien le Mini Xantix, et bah tout le monde va bien ici. Alors. Bon les gens, on est bientôt arrivés chez Tamir là. Hop, on est arrivé chez Tamir là. Après, sur la gauche et la droite, il y a des très belles vues par rapport au pont.
Vous les gens, préparez du miel. Du miel au lait, du lait au miel. La fatigue des gens, vous inquiétez pas. Le miel au lait, bien sûr. Enfin, un plat très connu. Ouais, bien sûr. Typique français, ça, je reconnais. Demain 13h, je vais au kiné. Bah écoute, mec, gèle à toi. Rue t'es fait, que je construise ma baraque. Non, j'arrive. Je fonce, là, je fonce. Justement, je vais être le premier à tester tes rails. Je vais être le premier à tester tes rails. Attends deux secondes, Lara. Hop. J'arrive bientôt, là. Patio, tiens. Tiens, regarde, je vais à les maisons, là. Putain, je peux pas parce que j'ai... C'est vrai, il n'y a plus Optifine là-dedans, là. Putain, Optifine, c'est quand que vous venez? OMG. Alors, c'est ça, le multiverse. C'est ça, le multiverse. Ce sera pas le premier à le faire en live vu que Vi l'a déjà fait. Ouais, mais après, c'est Vi, c'est le roi, c'est normal. Moi, je vais être le premier des villageois, moi. Bon, c'est quoi, ça? C'est ça, là? Oula, oups, pardon, excusez-moi. Je me suis un peu trompé. Ah, mais c'est sympa, là, le côté Far West, en fait, là. Chauffe. Je t'envoie un message en message. Mais quel boulet. Optifine, il est dispo en 1.19.3. Mais Optifine, il est dispo, mais c'est les versions bêta. Moi, j'ai une version officielle. Moi, les versions bêta, c'est buggé et tout ça. Voilà, quoi. En sachant aussi que j'attends Optifabric. Non, mais attends. Je sais pas où est-ce qu'elle est. De quoi? Mais... Non, mais je sais plus où est-ce qu'elle est, le musée. Tu te démerdes. Je la reposerai juste après. Tu l'utilises juste le temps de faire. Attends, mais c'est une vraie ou fausse, bon. C'est une vraie ou une fausse gare? D'accord, oui, bon, allez. Bon, bah, les gens, fuck le chemin de fer, les gens. Fuck le chemin de fer, c'est bon. On ne m'enlèvera pas mes lunettes. Alors, faut que j'aille où? Vers le spawn. Faut aller là-bas. Non, parce que moi, j'ai mes belles lunettes. Mais gros, on dirait que tu prends dans un film 3D ou un film bizarre. Ils sont trop bien mes lunettes, arrête. Je vois tellement la vie en mieux. Il l'a pas pris, crétinus. Mais je tombe sur le premier truc que je vois, et puis en plus il m'a dit de me dépêcher, donc bon, au secours quoi. Les gens, on m'engueule pour un oui et pour un non là. T'es sûr que c'est du bon côté? Non mais me dis pas qu'il y a une troisième voie maintenant. Non, mais je suis presque sûr que t'es dit bon causé, mais au cas où. Ah, merci. Vous me rassurez, pour une fois. Non, parce que j'aimerais bien savoir déjà où tu es, Digamer. Le mec rentre dans une église en pleine messe, comme si c'était chez sa daronne. Ah bah, coup, moi j'y allais, hein. Repasse mon truc, comme ça je vais remplacer. Direct, parce que... Je l'ai pas, ta tête. Mais tu l'as posé où, ma tête? Mais je te l'ai donné, elle est là. J'avoue que ouais, je suis rentré dans l'église comme si j'étais chez moi là. Salut! Aïe! Ça va? Moi ça va. Tu veux un minecart? Parce que j'aime bien, je vois Lazarus, je vois Tony, alors... mais je vois pas Ziggy. Ah, il est... Ah non! Ah si! J'étais dans les airs! Mais j'étais dans les airs, oui! D'accord! Génie! Alors, Potter, Lara qui veut faire une baraque! Tu chercherais quelle parcelle à peu près, Lara? Bon, même s'il n'y a pas de parcelle, mais... Et que du coup, t'es un peu libre de faire ta maison où tu veux. Mais du coup, où serait... beaucoup de vie. Où serait ton terrain? Bonsoir, toi. Bonsoir. Pourquoi t'es à Welp? Je suis à Welp. Mec, tu veux un coup d'épée? Non. Et toi, tu veux le coup d'épée? Non plus. Voilà. Attends que je regarde. Ok, Lara, t'es là-bas. Ok, j'arrive. Oui, alors du coup, tu voudrais le faire où? Oui, bonjour Lara. Ici, là? Ici, ouais. C'est toi qui as planté les arbres, Lara? Non, c'est pas toi qui as planté les arbres. Bah, si tu t'installes là, faudra que tu replantes les arbres en chêne noir un peu plus loin, du coup, parce que je pense que c'est Pectory qui les avait plantés. Et... Voilà, quoi. J'avais oublié, Lara est muette. Lara, est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi tu es muette dans le chat, s'il te plaît? Le micro. Je vais appeler un terrain, ok, pas de soucis, Lara. Attends, vous êtes où, là? Oui, c'est bien moi. Ok, Pictory. Parce que 42... Voilà les gens pourquoi Lara est muette.
Hop. Ouais, bah du coup, les... Eh bah du coup, tu peux t'installer là. Voilà. T'as juste à replanter les arbres autre part, du coup. Comme ça, c'est pas mal. Ça va, Lastor ? Tranquille ? Ouais. Allez, genre, j'ai la ref, hein. J'ai la ref. Tout ça, Lastor, Lastor, Blitz... Y'a quoi d'autre aussi, là ? Y'a Vagui aussi, je crois. Si tu me dis qu'Alastor et Blitz sont dans le même animé, je te tue. Alors, ils sont dans le même univers, pardon, excusez-moi, hein, mais bon, voilà, quoi. Tu passes un wagonnet, vu que t'en as deux. Alors, le wagonnet, il est de l'autre côté. Passe-moi un wagonnet que t'as dans ton inventaire. Faut que t'ailles chercher le wagonnet de là-bas, si tu veux. Parce que j'ai dit, on met pas deux wagonnets, parce que tu sais ce qui va se passer. Parce que quand tu vas arriver là-bas, bah tu vas faire demi-tour, en fait. Voilà pourquoi. Je ne veux pas. Ah merde, attends, il fait nuit. Je vais dormir deux secondes. Après, j'aurais préféré qu'elle construise sa maison dans la ville. Bah après, ça fait une maison en plus pour les PNJ, après, j'ai envie de dire. Ouais, mais après, ouais, en fait, si Lara veut sa propre maison personnelle, après, ouais, je te conseillerais aussi de l'installer. Je te conseillerais aussi de la construire chez nous. Du coup. Ouais, du coup. Allez, viens, regarde. Regarde le fameux travail qu'il a fait pendant qu'il n'est pas encore là, passionné. Ah oui, j'arrive. Et toi, tu te pousses, c'est mon projet d'abord. Et là, pas le il s'écrase contre le mur, il meurt. Bon, bah, il y a plus de projet. Bah voilà. Hop, y'en a. Alors, du coup, on disait. Je dois te donner la clé. Il y avait des trades qui m'intéressaient. Mais c'est même pas moi qui l'ai tué. Arrête, tu te fais du mal. Je sais, mais aussi. Bon. Gamer, je dois te donner la clé. Voilà. La clé. Ah, là, littéralement, on a une clé. Très bien. Un couteau. Ah, la vache. Eh, le mec, il a fait ça bien, là. Oh, merde. Oh, la non, vache. Non, mais reviens, Tarixios. Faut que je répare le pont. Ah oui, t'as fait un pont et tout ça. Waouh. Je t'invite à mettre la OMG, incroyable. Attends, où ça, faut que je la mette ici, là. Ici, et faire un clic. Un seul, hein. Pas deux, sinon tu fais tout bugger. Et bienvenue. Eh, lui, il va être banni de notre village, hein. C'est un truc de ouf. Et bienvenue dans le garage à bateau. Wouah. Wouah, mec. Oh, mec, t'as tellement fait ça bien. Attends, et ça continue jusqu'à là-bas, quoi. Non, j'ai juste fait jusqu'à là-haut. En vrai, mec, tu t'es... Ah, oh, il s'est tué, le mec. Voilà. Rick. Rick, pas sûr, écrasé par un mur. Bon, non, il reste 2-3 trucs ici que j'ai pas déplacés. Bah, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait un sacré travail. Non, en vrai, mec, c'est un... Mec, le taf, il est incroyable. Nous avons une magnifique vue et... La possibilité de stocker les bateaux en revenant. Mais... T'inquiète, il pleut, c'est normal. Ok, pas de soucis. Ah oui, d'accord, c'est que t'as mis de la flotte en haut, d'accord. Ah hey, mec, écoute. Ouais, voilà, c'est pas... Ah, il s'est tué, le patio. Il s'est tué. Toujours. Franchement... Insane. Non, mec, GG, hein, écoute. Yes. Et genre, là, il fonctionne, là. Comment ça, il fonctionne? Genre, il... Ah, genre, il non, malheureusement... J'ai pas encore fait le système pour ramener les bateaux. Ah merde. Parce que là j'allais essayer là. Mais j'ai ma petite idée comment je vais le faire. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a les shaders aussi qui rendent tout sublime. Eh les gens, regardez, RTX on, RTX off. J'adore ce bouton. Les gens, en vrai, j'adore Iris Shader juste pour le bouton et on off du shader. Il est incroyable. Non, mais GG, pas sûr qu'il s'est tué, hein, du coup, pour la tâche, là. Ouais, par contre, il a pas fini jusqu'au bout. Hein. Ouais, bon, hein, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Bah, non, mais c'est pas moi qui étais sur le projet, dans ce cas. Même ça en jette. Mais oui, c'est incroyable. Ouais, direct, du coup, ça... Et là, du coup, hop, tu pars comme ça, là. Ah, mec, incroyable. Et comment tu fais pour monter, déjà? Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il faut un peu... Je vais faire un système qui ramène les bateaux, là-haut. Mec, insane. Ça. Et d'ailleurs, pour répondre à une question, non, les bateaux ne dispawnent pas, parce que sur une map que j'ai, les bateaux, ça fait genre un an qu'ils sont posés là sans rien, et ils sont jamais bougés, en fait. Ils ont jamais des pop et quoi que ce soit, donc écoutez les gens, voilà. Donc moi, mon projet, ça va être de finir tous les tunnels.
Voilà. Donc, tout le tunnel et le système de ramène de bateau. À côté de ma maison. À côté de ta maison. De quoi donc à côté de ta maison pectorique que je regarde. Ouais, c'est vrai. Ouais, aussi, ouais, le... c'est vrai que du coup, le garage, il est à côté de ta maison. Non, mais écoute, Patio, écoute, GG à toi. Ouais, par contre, je suis désolé. C'est... La porte a tué. La porte a tué, je suis désolé. Mais quand t'as ça, là... Bon, t'as des interférences de levier parce qu'il y a une trappe, qui s'enlève, mais... Mec... Oui, bon, alors, ça, je pouvais pas l'enlever. Là, c'est juste insane. Ouais, en fait, t'as juste à te mettre sur deux blocs et c'est bon, au moins, au cas où tu tombes pas. Non, mais... Ouais, malheureusement, c'est que je suis obligé de mettre une trappe parce que sinon, la redstone ne passe pas. Un petit conseil, évitez de spammer le bouton, ça casse tout. Ouais, bon, on va éviter, hein. Alors si vous faire clac clac, deux coups ça fait tout casser. Alors on va éviter alors. Non franchement j'aime bien. Ah tu peux l'ouvrir de là, bah mec franchement. Eh insane. Eh le mec il s'est tué. Les gens vous voyez, les gens là c'est méchant ce que je vais dire, mais on a eu raison de dégager Sudomax UV que Sudomax part pour embaucher Patio. Hein. Franchement incroyable. Ah, Edro, pour répondre à ta question, oui, j'aurais pu mettre des tapis, mais ça faisait un peu bizarre avec les trappes que j'ai mis. Si je mettais un tapis marron. Tu peux mettre des tapis. Et puis le tapis n'aurait pas corrigé qu'il y aurait toujours une redstone ici. J'avoue. Que d'ailleurs, j'ai pas de bois. Bon, les gens, attendez, je bois un coup là. Sa mère, c'est chaud. Sa mère, c'est très chaud. Les gens, vous voyez un mec galérer en train de boire du lait au miel. Voilà. Vous avez plus de bloc. Il est chaud ce lait sucre au sucre là. Et j'ai pris ça et tout. Il est chaud le. Il est un peu trop chaud. J'ai fait chauffer un peu trop chaud le lait de Nimi. Le jus du Mintos. Oh non. Ouais donc d'ailleurs j'ai dû bouger un peu le train. Pas du tout. Les rails. Pas sur le futur rail Pierre du Cerve. En fait c'est qu'une seule ligne. Non, mais le problème c'est que je me connais hyper bien en Redstone donc je m'associe un peu aussi à Pierre. Ouais. Qui est un youtubeur streamer d'exception. Là du coup je vais faire chauffer les minerais. Je vais mettre les minerais à faire chauffer dans les fours et puis Tarexios on voit ta maison on voit ta maison après. Peut-être faire une table comme ça vu qu'il y a quelqu'un qui lag à côté de tous les moutons quand on est au mid peut-être. Mais de toute façon les poulets ils vont très vite être transformés en ferme à poulets. Hein. Il y a quelques petits problèmes, il y a peut-être encore des patates dans les fours. Potentiellement. L'idée. Ah mais effectivement, il y a des patates dans les fours là. Il y aurait pas un four de dispo là, non? Il y en a plus. Bon, ici. On est à sec au niveau des fours. Hein. Ici. Ah, oui, je suis en train de les remplir. Puisque je retire les patates. Voilà, let's go. Alors, Tarexios. Ta maison. Pardon, excusez-moi. Le rhume. Le rhume. Tout. Alors que j'aille voir là-bas. Alors déjà, je vois, j'ai un petit teaser au loin. Ça fait plaisir. Et t'es passé par mon tunnel ou pas? J'arrive, justement, j'y vais à ton tunnel. Hop. C'est vrai que le tunnel, on l'a pris très peu de fois ce tunnel. Ah, stylé! Non, stylé! J'ai rien compris dedans. Surtout, genre, tu verras le toit quand tu remontes, il sert à rien. Il n'y a rien du tout. J'ai toujours eu la flemme de changer. J'étais limite en train de m'endormir et d'un coup, il y en a un qui se met à gueuler. Ça m'a fait sursauter. la fatigue. Ah, sympa! Sympa, ouais, ça fait une petite cabane. Que je regarde. Ah ouais, ça fait une petite cabane, sympa, ouais. Et aussi au-dessus de la porte, qui a un truc. Le bouclier de la vérité, d'accord. Ah mais oui, tu me l'avais déjà montré ce bouclier. Ouais, mais s'il est comme ça environ, c'est-à-dire qu'on est dans un rêve, c'est genre comme dans Matrix.
D'accord. Ok, ok. Il bon, montre ouais. Genre le faisceau lumineux, il montre la porte, c'est-à-dire qu'on nous aura. Ok, ok. Ok, et là du coup tu as tes coffres perso et tout ça, bah écoute mec, GG, ah, GG. Je pense que c'est écrit dans le livre. GG, GG. Oh, MacBud. D'ailleurs, vous aviez noté des trucs dans le rapport la dernière fois ou pas? Oui, totalement. Une question, c'est quoi le MacBud? Je vais lire ça. Le quoi? Le MacBud, je sais pas pourquoi j'écris ça dans mon truc des projets de la ville. Le MacBud? Ouais. Bah, à mon avis, ça doit être un McDo. attends que je regarde vite fait. Ça serait pas la. Je suis en train de regarder. Ça serait pas, ça serait pas l'usine à poulet par hasard? Non, parce qu'en fait, j'ai marqué aussi usine à poulet en dessous. C'est-à-dire que c'est pas ça. Au-dessus d'usine à poulet, de mon côté, j'ai usine à faire. Ouais. Moi aussi, j'ai ça, mais j'ai un MacBook entre les deux. Ça doit être un rajout perso de ton côté alors. Ah non, parce que c'est dans les projets du village et pas dans mes projets. Ah bah, je sais pas. Perso, ni dans mes coordonnées de mes projets. Ou alors, ça vient des projets de Sudomax à l'époque, je sais pas. Ou de Pectory, je sais pas. Je sais pas parce que moi, j'ai pas ça de mon côté, hein, des MacBook. Hop, alors attendez les gens. Hop, je sais pas du tout. À voir. Bon, moi je peux faire tous mes projets dans mon île et. Attendez, j'ai pas mon casque. Niquer l'écosystème. Hop là. Alors. Vous pouvez arrêter de gueuler pour que je puisse m'endormir sans vous gueuler toutes les 30 secondes. Il y en a un qui veut dormir dans le chat, hein. Pardon, excusez-moi, il y en a un qui veut dormir dans le chat. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Non, en vrai, ici, vous pouvez faire dodo, là, dans le chat, là. Du sleep talk, hein. Faites dodo dans le chat, là, comme ça, vous endormez sur le live, et en plus de ça, vous boostez mes viewers, donc écoutez les gens, vive l'argent, en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est vrai qu'il faut que je le ramène, lui, aussi. Bah, moi, faut que je ramène aussi le cheval qui est dans le truc à aller de Pectory, je sais pas pourquoi. Vive l'argent, exactement, Elena. Bonsoir à toi qui viens de nous rejoindre dans le chat. J'arrive plus à parler. Comment elle va, Elena? Moi, je suis enrhumé. Ça s'entend ma voix, je pense. J'ai du tuf sur moi. Est-ce que vous avez du tuf sur vous, là? Parce que moi, j'en ai. C'est pas toi qui décide. Ça a pris du temps, hein. Je t'ai envoyé un truc en MP si t'as envie de voir. Ok, pas de soucis. Ça va très bien. Et toi? Et bah, ça va très bien, ma chère Elena. Ça fait plaisir de te voir ici parce que ça fait longtemps. Oui, j'ai vu. Je regarde. Ah, mais. Pour te dire que j'avais raison. Tiens, c'est ce que je t'avais dit pour les bateaux. Le temps. C'est... Ouais, mais attends, mais moi, ça fait un an que j'ai des bateaux qui sont sur une map. Ils ont jamais bougé. Oui, mais est-ce que la map, elle est load? Ok, pas de soucis, Pectory. Non, mais mec, je te le dis, ça fait un an. Au bout d'un an, je pense que les bateaux, ils ont le temps de se supprimer. Je suis désolé. Mais est-ce qu'ils sont load? Ça, c'est vraiment mieux. Ah, ils se font load et déload toutes les 5 minutes, donc bon. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, ça se trouve, c'était à une époque, ça. Mais maintenant, ça a été corrigé. Parce que sinon... Ouais. Puis même, ça serait illogique, parce que dans ce cas-là, les portes armures, dans ce cas-là, ça sert à rien d'en crafter, puisqu'ils vont être... Puisqu'ils vont être des pop au bout d'un moment. Non, ça c'est bon. Bah écoute, mec, tu sais quoi, on va faire le test. Hop, je vais mettre un bateau en plein milieu. Je vais mettre un bateau quelque part. Voilà. Et le jour où je reviendrai... Un bateau dans le garage à bateau, c'est un truc bien aussi, tu vois. Ouais, tiens, voilà, je vais mettre un bateau dans le garage à bateau. Et si ce bateau il a des pop, et bah tant mieux. Non, quoique. Pour éviter les tricheurs, tu vois. Pour éviter les tricheurs. Dis pas où est-ce que tu vas le mettre. Exactement. Hop. Pour éviter les gros trucs. Pour éviter qu'il y ait des tricheurs. Hop. Moi je veux partir en 9500. Je vous mets la cam 2 minutes les gens, c'est pour éviter les. Cool, mais... Pour éviter les tricheurs.
Passionné, c'est quoi tes coups? Je vais aller chercher du bois de sapin en fait. Mais on a du sapin. Beaucoup de bois de sapin. J'ai une shulker box en entier aujourd'hui. Là. Là, je suis pas contre. J'ai le bois de sapin, je suis pas contre. J'ai une shulker box plus une shulker box et demi. Voilà, donc du coup, les gens, faudra me rappeler que j'ai posé un bateau, il faudra voir si c'est bon. Oh d'ailleurs, faut que je déplace ça. Merci aux viewers qui m'ont aidé à me rendre compte en fait que j'avais mal placé mon Twitch, mon compteur de viewers Twitch. Merci à vous. Je vais me faire une crise cardiaque, les gars. Alors, Milixantis. Ah, c'est bon. Milixantis, j'ai peut-être trouvé la. Milixantis, j'ai trouvé peut-être la solution pour éviter que tu fasses une crise cardiaque toutes les 5 minutes. En vrai, ça passe. Baisse ton son, mec. Tu vas voir, ça va être sympa quand tu vas t'endormir parce que du coup, tu vas plus nous entendre gueuler, tu vas juste nous entendre parler, mec. Voilà. Tiens, je vais boire du lait en attendant. Très bien. Hop. Voilà. Ça part en ASMR, les gens. Hein. Merci bien. Merci d'aller en chercher. Ça va, vous, les gens? Apparemment, le son est tellement fort. J'avoue, c'est horrible. J'adore ce truc. Ah, sinon, si les gens, je peux faire comme l'ASMR qui se trame en ce moment, là. Du gamin qui ruine l'ASMR d'une meuf, là. Comme ça là. Tu fais pas de l'ASMR, tu fais de l'ASMR. J'adore ce truc là. Ceux qui ont vu la vidéo auront la ref, malheureusement. C'est ça le truc. Le mec est trop chiant. Tu es cet homme. Oh mince, encore un serial killer qui veut ma peau. Oh mince alors. C'est le troisième. C'est le troisième depuis un moment. Alors voyons voir un petit peu les projets, les gens. Je pense qu'en vrai, on va commencer un petit peu la grosse tour là, qu'on doit faire là. La mairie de Podcraft City. Attends, est-ce que on a fait le bâtiment principal P? Bah justement, c'est ça. Je marque entre parenthèses mairie parce que si t'en parles et que moi je le sais plus. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est quoi? Ça me dit toujours pas qu'est-ce que c'est le MacBench. Mais je sais pas c'est quoi non plus. OMG. Mais c'est dans vos projets, ouais, c'est pas grave. Mais c'est dans tes projets, mais ils sont pas dans les miens. Mais non, mais c'est pas dans mes projets perso, c'est dans vos projets à vous. Mais on a jamais ça dans nos projets perso. Pectory, connecte-toi sur le serveur et dis-moi si t'as ça dans ton calepin. OMG. Ça me dit rien du tout, ça. Le petit con qui se met en mode trigger et un coup le son est trop bas, un coup il est trop fort. Non mais tranquille mec, franchement je vois pas de quoi tu parles, hein. Franchement c'est... Ouais, franchement, je vois pas, hein. ouais bah écoutez les gens, on va trouver un endroit et puis on va faire le P. Et je pense les gens, je vais sortir de ma zone de confort et puis je vais construire le P en pierre. Et puis en bois. D'ailleurs, j'en profitais. Butin des créatures, voilà. Ici. Hop, du coup, les gens, on est parti. On va se trouver un petit endroit sympa, là. On va prendre de la terre. Hein, quoi? J'étais dans la lune, excusez-moi. Je voulais savoir, Pectory, si tu pourrais te connecter vite fait pour savoir qu'est-ce que c'est ce fameux projet MacBourg, MacBosch. Ouais, écris-le dans le chat, s'il te plaît, Tarixios. J'aimerais que tu vérifies ça dans ton calepin sur Etheria, Pectory, vite fait, là. Le message t'a envoyé deux fois, c'est pas pourquoi. Parce qu'en gros, tu t'es fait spotted par le bot. Et le bot, il savait pas s'il devait accepter ton message ou pas. Et puis Pectory a autorisé, justement, que ton message allait s'envoyer. Parce que tu mets un caractère un peu trop violent pour le modérateur Twitch. Qui est Wizbot. Pour le modérateur Twitch qui est Wizbot, c'est pour ça. On va regarder, vas-y Pectory. Mon âme qui vient de sortir de mon corps, mais vas-y. C'est quoi ça?
Ici, le bâtiment principal P. Eh bah écoutez, les gens, c'est impeccable. Tu changes encore, regardez. D'ailleurs, on aurait pu me prévenir que quand on augmente son niveau de minage, on gagne haste. Eh bah je vois que la ferme à moutons a été commencée, d'ailleurs. Ok. C'est qui a commencé la ferme à moutons? Moi, je vais faire tout dans mon niveau. Moi, c'est... Vu qu'on y aurait presque jamais. Oui, c'est le bot, ouais. Autrement dit, ouais. Question, c'est qui a commencé la ferme à moutons, juste pour savoir, vite fait? Je crois que c'était l'autre. C'est pas sûr? Bah non, j'étais pas là, moi. Non, l'autre. Et quoi, moi? Le mec là-bas. Le mec là-bas, celui de Max. Ouais, je crois. Non, il y a jamais eu ça. Il y a jamais eu ça quand j'étais arrivé. Ah, ou alors c'est Pectory qui a commencé ça. Ou alors c'est un cadeau des joueurs du serveur. Je sais pas du tout. Bon, les gens, hop. Tiens, il y a du bâtiment P. Apparemment, ça marche parce que. Oh la laine! Toute la laine, juste sur un ponton. Il y a un double coffre rempli de laine, presque. Sérieux? Après, oh, what the fuck! Ah, ça marche bien! Un mouton. Ah, mon cher Pectory qui va nous lancer le verdict du coup. Pas du tout, j'ai rien fait moi. Bonjour Pectory. Alors, mon cher Pectory, maître Pectory, quel est votre verdict? Oui. Non, c'est-à-dire que vraiment. Maître Simona. Maître Simona. Maître Simona. Le verdict de Maître Simona, ici présent. Le prochain qui me fait sursauter, il meurt, tu prendras à sa place. Tranquille, mec, tranquille. Franchement, mec, tranquille. Le mec vraiment trop chiant. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Oh, on est vraiment des gros bâtards dans la confrérie du dé, là. Non. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. J'ai pas de message book, qu'est-ce que vous me racontez? Dans ton calepin, est-ce que tu vois le... Non, t'as pas le MacBook dans le MacBush dans ton capin de noter dans les projets du village? Non. Bon, bah, Tarexios, tu as fait une hallucination collective individuelle. C'est une hallucination collective. Ouais, mais individuelle. Ah non, j'ai cassé! Oh non, il a cassé! J'ai cassé de la glace. 3, 4, bon, c'est 5, bon, 6, on en a 4, 9, que steak et je vais en refaire chauffer à cause de mon prochain projet. 13, 14, 15, 16. Donc il nous faut du 16. Tu vois le main de Mister MV qui crie au secours. Au secours! Non, c'est pas celui-là, attends, c'est quoi? J'ai pas le même. Bon, je l'ai pas celui-là. J'avoue, je suis vaincu. Il dit que mon prochain projet il s'appelle la gauche. Est-ce que c'est raciste ou pas? 9. Ton projet s'appelle la gauche. Alors ouais. tout dépend le contexte du projet. Bah elle sera à droite. Par rapport à mon niveau. Alors pardon, excuse. Le rapport du coup du nom. Non, en vrai, je pense que ça ira. Ah ok. Scoo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 o
Je m'excuse d'avance auprès de Mélisantis qui sursautera encore une fois et qui fera une crise cardiaque officielle. Parce qu'il sera... Il va être violent, l'éternuement que je vais sortir. Ça va être vraiment... Ça y est, il a déjà sursauté. On va se faire insulter dans deux secondes. Mélisantis, le daron, là, tu vois. Getting Daroned. Dexting Xantined. Xantixed. Je cherche le charbon. Et les gens, bizarrement, on a beaucoup de charbon depuis qu'on s'est mis à la lave pour alimenter nos fours. Help me, help me. Ouais. Au secours, le bébé, il est tout bleu. Aujourd'hui, on va taper du nourrisson. Ah! Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah, let's go, les gens, on a 4 têtes pour le patio, là. Nickel, là, let's go. Parce que qui a envahi les têtes là. Non mais alors t'inquiète, il y a des têtes sur la forge, il y a des têtes dans le stockage, il y a des têtes chez moi, il y a des têtes dans le musée, je suis partout. Oh, mais j'ai hâte d'avoir une idée de construction avec le skulk. Le skulky. Genre la mairie elle est corrompue. Oh, ça peut être incroyable. Quand on était sur Warhammer, quoi. Ah, ça peut être excellent. Dans la ville, dans la campagne. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont dans la ville, dans les campagnes, exactement. Dans ma tête, je suis en mode no, God, please, no. Eh, mais c'est pas toi qui. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah ouais, mon dieu. Bah ouais. Logique. Bah ouais, logique. Ouais, logique. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai creusé encore un peu trop, là. Il ne chante pas, n'est pas bourré. OMG. Je sens que cette soirée va être longue. Je sens que cette soirée va être un pur être matin. Ah putain non. C'est même pas ça les paroles, c'est de la parodie là. Je sais même plus ce que c'est les paroles. Je sens que cette soirée... Je sens que ce matin... Ça va être une pure soirée, donc j'avais bon, c'est juste toi qui m'as coupé dans les bonnes paroles. Tu m'as coupé dans les saintes paroles de la chanson. Lundi matin, je suis dans mon lit, j'ai fait la teuf toute la nuit, jeudi, vendredi, samedi, pas possible que ça soit déjà fini. Non. Je connais les paroles, je connais. Je vais pouce rouge, attention, oh là là, il va pouce rouge. Oh, mais oh là a... là. Mais ça a été réparé, mais ça a été supprimé, ouf. Attends. Attends une minute. Ok, je crois que j'ai fait de la merde. Et j'ai Pectory qui gagne de l'argent des trucs incroyables. Je crois que Pectory a un petit message pour toi. Ah. Eh si je disais ta gueule. Rip petit pouce rouge, ouais. D'ailleurs, j'adore ce matin, j'ai reçu un mec sur le dernier short qui est sorti là. J'ai reçu un mec au carapport, dégage. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Du coup, le gars, ouais, il a... logique. Du coup, vu que son message était inintéressant, bah je l'ai supprimé. Ça va vous sinon? Je crois que c'était les... Je savais pas qu'il y avait des loulous rageux dans la communauté de Villebrequin, en tout cas.
J'apprends des trucs, les gens. Je savais pas que d'être chômeur, tu gagnes de l'argent. Bah ouais. Bah ouais, logique. Regarde les youtubeurs, ils gagnent de l'argent. Et toi, Lara, t'es youtubeur? Ça y est, c'est officiellement officialisé. Lara est un homme. J'ai un taf, moi. Ah, elle est pas chômeuse, elle est pas streamer. Elle est pas streameuse. J'avoue, j'ai dit youtubeur tout à l'heure. Mais tu vois, je l'ai dit à l'anglaise, tu vois, j'ai dit à youtubeur. C'est pas du tout en anglais, à youtubeur. Ah bah attends, a youtubeuse, ça te va? Là, vraiment, il me reste zéro. De quoi, tu veux de la terre? Tu préfères version allemande, eine youtubeuse. Ah bah c'est pas de la terre, tu veux quoi? Tu veux quoi? Feu d'artifice, mec. Tu connais mon feu d'artifice? J'en ai pas, Lazare il est en grève. C'est quoi? Mais je t'en ai donné 4 stacks la dernière fois du gamer. Il en a 4 stacks dans son sac à dos, il veut pas me les passer, c'est baisé. Balkany, oui c'est bien lui, le roi de Val. Non vas-y, prends un stack mec. Mais... Bon moi j'en utilise pas un stack par jour hein. Non mais... Alors j'ai envie de te dire, j'avais 3 stacks au début du stream hein, alors... j'en ai plus 48. Ou alors lui. Mais on l'utilise tout le temps, les feux d'artifice! Moi j'en utilise 10 par toutes les 10 heures, quoi. Grand max. Information. Information. Lui, c'est bien lui. Merci de tuez-le, butez-le. Monde de gaspilleurs, je gaspille rien. Moi je gaspille rien parce que quand je regarde les deux autres. Non mais les gens, c'est cher l'essence en ce moment, les gens. Franchement. Ouais, surtout que moi je roule au sans-plomb et s'il te plaît, le sans-plomb maintenant il est presque plus cher que les azoiles. Mais où l'état? Vous avez fumé ou quoi? Je sais bien que la CBD c'est devenu illégal, mais faut pas fumer toute la pipe. Alors moi il me faut du... Qu'est-ce qu'il me fallait déjà? Ah oui, de la pierre. Ouf. On a genre, je sais pas combien de coffres de pierre. Ouais, mais du coup, quel type de pierre je vais utiliser? C'est ça la question. Par respect pour les pierres. T'inquiète, Lara. On s'en occupe. Vas-y, je fais la tour en obsidienne. Let's go, miner 300 000 obsidiennes. On a un générateur. Balkany, lui, c'est bien lui. Le roi de Val. Le roi des roubles. Qui vous pique tout votre fric. Aussi joli. Non, je préfère mieux la version. Il a du poil au menton. Son portefeuille ne sent pas bon. Oui, vous êtes ébloui, c'est pas Balkany. Ouais. Il a 100 millions et 100 milliards. Fraude fiscale et affaire Big Malion. Blanchiment d'argent à but bien sociaux. Y'a un micro qui trigger H24, c'est horrible. What the fuck, mec? Je sais pas de quoi tu parles. Oh, Pectoric a changé de couleur, il est vert maintenant. Incroyable. Et si je disais, vous êtes cringe? Ok, mec, nous sommes cringe. Et j'assume. Oh, il se fait pas chier, l'autre. Oh, le bataille. Ah, il se fait pas chier, lui. Mais pourquoi, l'autre, il balance tout par terre? Mais il est sérieux. Ah, il se fait pas chier, lui. C'est qui a balancé sa merde, là? Pas moi, ouais, j'ai tout vu, je suis sans mon live, hein. Y'a des gens, ils ont clippé, hein. Le cringe ne tue pas heureusement. Ouais, exactement. Le cringe ne tue pas heureusement. Attends, mais c'est bon. Enfin, bref. Pourquoi tu regardes dans le... Non, mec, t'inquiète, j'ai bugué des minutes.
Ah, il m'a foutu toute sa merde dans l'inventaire. Sérieux. Dispo passionné, tu vite en charge. Gamer, viens là. Mais j'ai rien fait. C'est l'autre. OMG. On est en Amérique ici. Je tape que les noirs. Oh le bâtard. Oh, c'est méchant, c'est horrible. Ça par contre c'est banane. Ça par contre c'est banable ça. Ça par contre c'est banable. Vous êtes spéciaux à skip. Ma maman me dit que je suis spécial. Mec, si on brûlait la maison de Cinemax, en vrai non, on va la garder. Puis si jamais un joueur nous casse les couilles, on la brûlera. Ouais. Les gens, on fera notre petit rituel du soir. Les gens, on se fera ça, un de ces quatre là. On fera. On brûle la maison de Cinemax OMG. Comme ça, on aura un titre YouTube bien putaclic et tout ça. Comme ça, s'il y arrivera. Mais comment ça, tu brûles ma maison là? Est-ce que c'est légal? Absolument pas. Maintenant, oui. Maintenant, oui. J'avais été là-haut, moi. Qu'est-ce que je t'ai venu chercher, d'ailleurs? La glace. Parce que je crois que c'est ton micro qui trigger H24. Ah bah attendez, je vais baisser le son de Patio dans ce cas-là. Parle, Patio. Oui, bonjour. Ah là, on l'entend très très bien, là, les gens. Reparle, Patio. Oui, bonjour. Ah oui, là, franchement, on l'entend très très bien. Franchement, les gens, on peut pas faire mieux, hein. Ça va, Patio? Non. Il a découvert. On l'entend très bien. Ah, mais j'imagine bien que tu m'avais mute. Non, c'est même pas qu'on t'entendait. C'était même pas que je t'avais mute, en fait. Tu avais juste baissé ton son à 25. Du coup, on t'entendait plus. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce qu'un petit 9, ça ira, là, pour faire une tour? Ah non, quand même... Prends mollet. Eh, quand même, 12 même, je dirais même 20 blocs, hein, quand même, pour une tour. Hein. Eh, la chance, c'est pas n'importe quel tour, c'est la Podcraft Tower, hein, écoutez. Autrement dit, la mairie du village, hein, donc écoutez, les gens, va falloir rentrer dans l'art, comme on le dit. Allez dire un truc, mais je me suis retenu de le dire. De quoi la tour? Night Eleven ou un truc du genre? Non, non. Ça va. Après, les gens, est-ce qu'on peut dire ceux qui speedrun Peppa Pig, ils aiment bien rentrer dans l'art? Ouais, j'avoue, là, j'ai flop. D'ailleurs, gamer, j'ai YT pas à te montrer. Qu'un pote a fait. Ouais. Qui m'a dit, tiens, regarde ça. Ok. Ça dure 40 secondes. Je suis pas arrêté de rire. 15, 16, 17, je t'envoie le lien, tu le regarderas quand tu veux. Vas-y, vas-y. On fera peut-être une réac. Live et réac, là. Donc là, je suis à 20. J'avais pensé à faire genre 21. Voilà, comme ça on joue au blackjack que les gens. Et là on fait le P là. Voilà, comme ça on est pas mal. Comme ça on a une bonne pièce. Et là à 11 ça part comme ça là. Et si on l'entendait super fort, bah à mon avis on a plus d'oreilles. C'est bonjour pip. Voilà. Bon, je me casse pour dormir, les copains. Pas de soucis, Mixantis. Merci, merci de passer. Bonne nuit à toi, du coup. À la prochaine. Et là, il va faire deux tours. Non, non, mec de Rio, on ne fera pas ça. Je rassure. Pourquoi pas? Non, les mecs. Non, les gens, on ne fera moi, pas ça. Moi, je fais référence à l'histoire. Je trouve ça intéressant. Ouais. C'est un beau projet à faire. Ouais, je suis pas sûr que Twitch sera du même avis. Ah, alors. J'ai oublié qu'il y avait une cave en dessous. Ça a explosé. Bon, bah, il y a un trou dans le tunnel. Oh non. Non, je déconne. Il y a un trou en dessous du tunnel. Oh non, mec, t'abuses. J'étais vraiment pas sûr de ce que je faisais là. J'étais pas sûr de ce que je faisais, les gens. Là, je me suis retenu à la respiration 10 minutes, là.
Bah 10 minutes approximatif. C'est 10 minutes dans une vie. Qu'est-ce que c'est 10 minutes dans une vie? Ouais, j'avoue que tu peux mourir quand même, mais... Qu'est-ce que c'est 10 minutes dans une vie, les gens? Honnêtement. C'est rien. Exactement. Mais oui, c'est clair. Ah, c'est là. Et chii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 i
Je crois que ça fatigue. Mec, il continue à rire dans la blague. Sois pas. Il y a pas sûr, tout à l'heure, il va se mettre à boire une gorgée, il va leur cracher sur l'écran. Hop, plus l'écran. Bonsoir, donc, ceux qui nous regardent. Attends, je vais mute parce que je vais boire. Va te mute, mec, va te mute. Bonsoir Noxu qui nous rejoint de... Bonsoir Noxu qui nous rejoint dans le chat, comment ça va? Les gamers, maintenant ce qui est bien avec mon micro, c'est que tu peux plus rire parce que quand ça détecte que je bois, ça désactive instant mon micro. J'adore ce truc. Oh t'inquiète Noxu, j'ai failli accoucher. Oh t'inquiète Noxu, il y avait Mickey qui a débarqué dans le chat qui était complètement défoncé. Mais tranquille. Pardon. Ouh. Allez, hein, faut respirer un peu les gens dans la villa. Je vais jamais les finir. Ouh. Ça va, vous, les gens, c'est dans le chat. Vous passez une excellente soirée, j'espère. Moi, ça va. Oh, c'est moi, Pokémousse. Tu construis quoi? Je construis la mairie de notre ville, du coup. Parce que, ouais, c'est vrai. Pour ceux qui viennent d'arriver dans le chat et qui savent pas qu'est-ce que c'est que cette survie, ça en liqueux, version petit streamer, pas beaucoup de connus, et avec pas mal de petits joueurs qui aiment la survie collective. Et moi, je fais actuellement la tour principale, le bâtiment principal de notre village, qui est donc la mairie, qui est Podcraft City, qui va être en fait un P. Voilà. Et puis après, il y a plein de projets par-ci, par-là, qui se font tranquille. Viens, on l'insulte, parce qu'il a dit que c'était Olicum made wish. Ouais, bah en vrai, oui, c'est... c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit la première fois que je suis arrivé sur la saison 3, hein, donc bon... Abuse. Ah mais tout va bien les gens sinon. Rappelle qu'on avait mis notre stuff dans une horloge la première saison. C'était mis tout en haut d'une tour. T'as une horloge. T'es beau. Putain mec ça date. Et si on faisait un immeuble jusqu'à la limite à hauteur des blocs? Ça peut. Moi je dis on construit un avion qui fonce dedans. Non. Ouais, c'était de ça le délire, je viens de me souvenir de pourquoi. Et je suis pas fier de m'en être souvenu. DKT avec la 3.5, ça va être le cube du Qatar. Ah ouais, littéralement. Oh. Bah déjà que Palladium a lancé sa V8.5 et qui est totalement un énorme flop parce que c'est injouable.
Attends, ça c'est un P ça? Attends, quoi c'est un P? Ça c'est un P ce que je viens de faire là? T'es où? Attends, ça vous allez c'est me dire c'est un P ça? C'est une chaussette que j'ai tu sais fait! Ce que c'est c'est tu sais ce que c'est? Non! C'est une chaussette! Moi ce que je vois c'est un bloc Tetris mal fait! Moi ce que je vois c'est un truc pas du tout symétrique! Que ce soit en haut, en bas, en long, en large! Oh non, mais putain! Y'a rien qui va! Mais qu'est-ce ce qui truc là ça ne va pas! Ce truc là ça mais ne va qu'est-ce pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça fait ça? Non, c'est pas un immeuble pour passionnés, c'est pour Podcraft City. Mais du coup, le P, il est un peu fail, hein. Vas-y, viens, Lara, viens voir, c'est Podcraft Village, c'est de l'autre côté. C'est magnifique. C'est magnifique. T'as vu. Ah, c'est... Waouh. Mais, Digamer, je te conseille, si tu veux faire une tour comme ça, fais-la en vert. En vert? Bah oui, parce que les gros immeubles, ça a beaucoup de fenêtres. Ah oui, j'avoue. T'as déjà vu un immeuble tout en bois? J'avoue. Ouais, bah ça court pas les rues. Ah bon, pas dans le rallye, mais sur Minecraft, j'en ai rencontré tellement. Lara, les méchants, elle m'a bousé. Attends, y'a un piaf qui est sur le toit. Attends, je descends. Hop là, au revoir le piaf. Non, mais ouais, on va détruire, on va recommencer quoi. Aïe. Non, ne le tue pas. Mais toi, t'as une hache fire toi. Ouais, donc du coup, les gens, on va casser ça et on va recommencer, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, là, c'est pas symétrique? Je comprends pas. Attends, 1, 2, 3... Le mieux, c'est que trois, tu fasses déjà un petit schéma. Il joue un molécule de Wish, 12. Il essaye de faire un truc. Attends, pourquoi, là, c'est 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Attends, pourquoi c'est du 12 x 16 que j'ai fait, là, OMG? Oh, merci Underice pour le resub. Comment il va là avec l'eau. Avec une tête de Woody là. Comment il va le Underice là? Underice, franchement, dommage que t'étais pas là, tu viens de louper un fou rire. C'est le fou rire du futur fu de Mickey là. Je suis fatigué. Ah bah oui, c'est vrai, il est fatigué le Underice depuis tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Bah heureusement mec que t'étais pas là tout à l'heure du coup parce que là on t'aurait achevé mec. Ah on t'aurait achevé ça c'est sûr. Hein. Donc là faut que je remonte tout ça là, ok. Et je suis en retard sur tout ce que je devais faire à cause de certains d'un certain VOC. Ouais j'avoue, franchement, relou là le VOC là et tout. Franchement l'Underice il a chômé là du coup. Ouais, l'Underice qui chôme là. Non, je suis tombé. OMG. Bon, du coup, Underice, on est sur Etheria, du coup, le... Parce que tu pourras appeler Gensocraft de ton côté, avec le serveur de Taku. Sauf que là, c'est un peu plus basé sur du gros Licube, tu vois. Avec que des streamers, tout ça. Bon, quoique Takudave, c'est pareil aussi, mais... En fait, j'étais là avant... avant le serve de Taku. Ok. Oui, je vais, t'inquiète. Eh ben, c'est bon, alors, si tu vois. Et vous, les gens, vous voyez ou pas, là? Alors, tu vois, les gamers, tu fais un petit exemplaire au début. Oui, mais je sais pas pourquoi j'ai... Et comme ça, tu vois à quoi elle ressemble. C'est ça le mais problème, tu nous fais pas un putain de Tetris mal fait. Mais c'est ça que je comprends pas, en fait, parce que ça partait vraiment d'un P à la base, mais je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai calculé du 16. Générateur de P en Minecraft. Genre, tu tires juste générateur P Minecraft. Putain, pourquoi il y a mon PC qui fait de la merde et qui tape Lou sur Google, du coup? Genre, t'as où? Oui, on voit. Ok, incroyable. On dirait un Among Us. Stop posting about Among Us, on disait. Assaut les gens, poste encore du Among Us. Bon, je retourne à mon tunnel, moi. Je retourne dans ma grotte. Ok, retourne dans ta grotte, mec.
Mais non, mais faut que je pète de là jusqu'à là en fait. Bah ouais, logique. Bah ouais. Logique. Ah, du coup, il y a ces deux tours là à péter là. Pilier, pardon, c'est pas des tours. Effectivement. Merci de la remarque. Par contre, pour le coup, je pensais que c'était toi le loup à la base. Ah non, je suis pas le loup à la base. Non, nous on a Mickey chez nous. Ah, Mickey. Non, mais là, non, c'est pas Mickey. Non, là, c'est pas Mickey. Là, c'est pas Mickey, ça, c'est une fanfic chelou fétichiste de Mickey, là. Oui, Mickey, vas-y. Mais là, comment comme il faut. Ça, là, ça partait en oui-oui cross Mickey, là. Oui, vas-y, Mickey. Oh, ça part, on part tellement loin, c'est incroyable. Oh. Bring hall. Oh, les gars, bring hall. Oh, l'avion sang. Oh, regarde, j'aime l'avion sang. Oh, Ron Weasley. It's l'avion sang. Tut tut. Oups, pardon, je vais vous dire. Oui. Le score, Lara elle en peut plus là. Lara elle en peut plus là. Elle est dans son coin là avec son stream là. Elle est en mode au secours. Stop. Tu Ron Weasley. It's Leviathan. Oh. Lava, oui bien sûr. Waouh. Le dé il est fatigué. Oh, le dé il est fatigué ce soir les gens. Je disais Lara. Lara, elle va aller voir Twitch, elle va dire soyez témoin. Neviosan. Gamer, c'est où les colorants dans les coffres? Les colorants dans les coffres. Regarde ouais, dans nature. Colorants. Regarde dans nature. Putain, je me suis suicidé. Ça va passer. Je me suis suicidé les gens. OMG. J'ai sauté. Ah, c'est bon, en fait, on a des os. Non, pas de... Mais enfin, car là, on parle de terroriste. Ok, ne mets pas la ceinture. What the... Non, j'ai oublié la première partie, putain, la blague est nulle. Bon, c'est... Ah, on parle de sécurité. Ah, on met la ceinture. Non, là, je parle de terroriste. Ah, on met pas la ceinture. Mais enfin... T'es pas une princesse, Kimberley. Parce qu'il me suit même pas dans cette vanne, quoi. Vas-y, je floppe tout seul, là. Vas-y, là. Pas celui d'écoute, là. Je respecte Elodie Pou, hein. Et alors? Mais là, tu l'as détruite. Mais d'où je l'ai détruit, là? Moi, je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Non, t'es surtout Benjamin Castaldi en feat avec Jimmy Neutron. Alors, Benjamin Castaldi, ok. Jimmy Neutron, je vois pas le rapport. Jimmy Neutron, non. Jimmy Neutron, il est bien rapporté. Alors, attends, comment réussir un paix selon Patio? Ok, donc pour réussir un paix, il faut. Vas-y, Franky, c'est bon. Vas-y, Franky, c'est ba. Ou Franky Vincent, j'avoue. Ou Franky Vincent. La Zoubida, elle s'est fait engueuler. Ah, celle-là, vous l'aviez pas, ça. Bah non, logique, t'es vieux. La vérité n'est que douleur. Alors, le ban. Bah, de toute façon. Comment on dit? Non, ça partait loin là. Zubida, non? Ouais, celle-là, eh.
Désolé, je connais que la lambada. Captier, il a la ref là. Captier, il a la ref dans le chat là. Hop là, nickel. Et hop, on passe là. Oh non, j'ai fail. Bah ouais, logique. Ça part loin, hein. Franchement. Bip bip. Ouais. Alors non, c'était pour la gaffe, mais bon. Ah mince. Ah oui, t'es con là. Mais je suis con. Je suis un gros cipollatin. Incroyable la gaffe avec le lavabo aussi. Le lavabo. Méga gaffe. Alors on va récupérer ça. Pourquoi tu changes de sujet? Qu'est-ce qui est le sujet, Gamer? Comment ça, on assume pas. On assume pas. Comment ça, mon ref? Je te retourne la question. Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Mais mec, en fait, je ne suis qu'une seule personne. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Ah. Oh. Allez. Non mais je fais de la merde avec le D là. Enfin c'est même pas un D, c'est un P. Mais bon les gens, on est là quoi. Du coup il va falloir que je mette comme ça. Hop. Et les gens là, on a un bon truc. Ok, alors, du coup ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et ça fait ça. Ok, et là du coup on est censé avoir un P. Alors attends. Est-ce que ça ressemble à un P au moins? C'est ça la question. Normalement oui, c'est censé ressembler à un P. C'est pas possible. Non mais me dis pas que ça ressemble à un P. Me dis pas que ça ressemble à un P là. Ça ressemble plus à un verre de tarcotchios. Non mais stop là. À quoi ça ressemble? Mais dis gamer, pourquoi? Alors, viens de mon point de vue. Tu m'expliques. Pourquoi? Mais what the fuck? La deuxième partie de ton P est surélevée. Mais what the fuck? Mais OMG, mais quoi? Mais comment je fais? Dis gamer, mais regarde, je t'ai fait un schéma juste à côté. Suis-le, bordel. Mais le schéma, c'est même pas l'échelle. Mais attends, ouais, mais faut que je baisse si quoi, en fait échelle, autant qu'il le fasse littéralement. Non, mais là, oui, à ce rythme-là, oui. Non, on est parti pour que pas sur Eh, hey, j'ai envie de te dire, mec, on échange nos places, va faire le tunnel, je fais ça. Vas-y, je rage quitte, là, vas-y, je me casse. Vas-y, attends, me je te donne attends, tout le matériel. Attends, reviens pour la miniature, mec. J'avais une idée de miniature. Mets-toi à côté de moi. Mets-toi à côté de moi ici, là. Hop, nickel. Et tu regardes la tour. Et ça fait vraiment en mode, ouais. Attends, tu te mets comme ça et puis là, c'est attends, vraiment je mets la pioche. Je mets la pioche en mode, je vais détruire ça. Et là, ça fait vraiment en mode, ouais, bah j'ai merdé. Ça fait vraiment ça, vous verrez à la fin la miniature, là, ça sera incroyable. Ça sera en mode, ouais, bah j'ai merdé. C'est bon, patient, vas-y. Ah, attends, donc je te donne ça. Et donc je te fous tout ça. C'est moi déjà vide de mon inventaire. J'ai plein de trucs dans mon inventaire, mais... Ouais. Non, ça je prends. Oh, quoique, non, je vais t'en laisser. Je vais repartir, je vais changer de pioche, parce que coupable est un peu fatigué, les gens, voilà, laisser se reposer, on va prendre qui? On va prendre Innocent, tiens. Innocent qui est efficacité 4, d'ailleurs.
Comment je vais rattraper ça, moi? Mec, tu sais quoi? Bonne chance. Allez. J'ai l'impression de passer après un gamin et faire « Putain, comment je vais nettoyer la peinture qu'il y a sur le mur ?» Allez, salut mon pote. Et regardez franchement cette porte là. Oh mon dieu. Oh mon dieu cette porte. Voilà le tunnel. On en est où pour le tunnel? Comment il va le tunnel là? Comment ça marche? Mais que je te fasse un topo avant de commencer. Attends, c'est quoi? C'est des dalles ça? C'est des dalles au plafond? Oui, c'est des dalles au plafond. Ok. Dalle de chêne, dalle de sapin. Ok. T'essaies à chaque fois de respecter les trois et après tu mines derrière pour mettre des blocs de stone brick. Après tu mets donc les lanternes avec des chaînes aléatoires, que ça fasse random. Ok. Et puis voilà, après tu mets les trucs au mur. Ok. Ça devrait pas être trop difficile. Tu vas revenir, tu vas voir que j'aurai tout saccagé. Oh come on. Oh come on. Il peut le faire, je pense. Là, je dois déjà péter tout ce que t'as fait. Ça va déjà me prendre une heure. Moi, je vais chercher le tailleur. C'est un de fer, tu peux pas en craft? Non, je peux pas en faire. Je peux pas en craft. Mais du coup, bonne idée, je vais en crafter un. C'est combien déjà? C'est de la pierre normale, c'est ça? Oui, c'est de la pierre normale et tu prends un de fer au-dessus. Genre, c'est comme si tu faisais une table, mais pas une table. Genre une table. Alors, attends, parce que c'est vrai que je me suis pas exprimé. De la pierre ou de la pierre cobblestone? Pierre, et tu fais une, genre des dalles. Ok, merci. Tu mets un truc de fer au-dessus. Genre, tu mets une dalle au milieu. Que je préfère. Tu mets un truc de fer au milieu du en haut. Attends, c'est pour faire de la pierre taillée? Non, un tailleur de pierre. Non, faire de la pierre taillée que tu vas faire un tailleur de pierre? Non, pour faire un tailleur de pierre que je veux. Mais pourquoi faire ton tailleur de pierre? Bah pour justement économiser des ressources. Parce que tu crois que la stone, on en a pas assez? Bah ouais. Tu m'as tué. Tu peux hein. Je peux mettre ça dans mes objectifs. Tuer 10 gamers avant la fin. Vas-y mec. Allez. Bonne chance mec. Ce sera pas un défi. Hein. Hop. Ça, quand je vois la fin, je me dis mais il y a déjà 3000 trucs qui ne vont pas. J'ai déjà vu un P qui commence déjà à s'arrondir pile au bout. Non. Ah, faut que je me mouche. Les gens, vous voulez de la ASMR mouchoir ou pas, là? Non. T'as qu'à sortir ton maxi outil mystère, peut-être qu'il t'aidera. Oh, oh, tourniquet. Voilà, ok. Oh, mec, il y a Pectory, il nous a fait un FT, là, incroyable. Ah, j'ai failli crever. Messieurs, dames, je vous propose, c'est dommage, j'ai pas de musique classique, il va falloir que j'en mets. Mais vous savez quoi, on va juste monter le son. On va juste monter le son de la musique de fond, les gens. Et messieurs, dames, on va commencer par le premier chapitre de notre poème. C'est parti. Deuxième chapitre. Ah ! Moi, j'en suis arrivé là. Merci Pectory. Pour Tarexios. Ah, ah les gens, on s'est mouché un peu là. Ah les gens, ça va mieux hein. Ah alors là. Ah la fabrication d'huîtres que je fais là. Je suis triste, on n'entendait pas la musique. Ouais. Du coup, eux aussi, ceux qui sont dans le vocal, ils l'ont pas entendu mais... Non, non, surtout que j'avais mis de la musique classique. J'avais mis du Beethoven. Il était là en mode Beethoven virus. Tout, 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 tout. Non, mais il lui met du Vivaldi en vrai. Il y a 4 saisons. Oh, je vois bien le truc.
Attends, y'a quoi à poser là? Ok! Non, c'est là, mais y'a quoi à poser? Mais c'est de la dalle! Allez, j'arrive! Mais c'est de la planche! Mais c'est de la planche! Mais c'est des dalles! Y'en a, c'est des dalles, y'en a, c'est des planches, c'est juste, j'avais plus de matériaux! D'accord! Et c'est pareil, là-haut, y aura de la glace en dessous, tu laisses, je m'en occuperai. J'ai d'accord! Une idée de ce que je vais faire. En fait, il va refaire le chemin en sens inverse, mais par-dessus le tunnel. Non. Allez, les deux piliers là, et il n'y a plus de PDM dégueulasse. Ça va faire plaisir. Voilà, j'ai allé dodo, salut. Pas de soucis, Pectory, merci d'être passé. À la prochaine. Je cherchais de la glace, voilà, exactement. Parce que là, il nous a mis de la glace, le patio, là. Le coffre, il y a plein de glace. Ouais, attends. J'ai rempli un coffre de glace. Un double coffre, hein. Faut que je nettoie mes lunettes, au secours. En même temps, après avoir dégoubillé une huître, c'est normal. Oh non, fuck! Oh god! Please, no! 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 Mon dieu. Est-ce que vous aimez les huîtres dans le chat? Non. Est-ce que Lara, elle aime les huîtres? Nope. Ah, elle aime pas les huîtres. OMG. J'ai déjà goûté. J'ai jamais goûté. Du coup, t'as l'impression que D-Gamer a craché son molar dans ta bouche, mais vas-y. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? What the fuck? Parce que t'es une victime. Ah oui, d'accord, ça victimise quand même son patron, hein, et après... Et après, ça se plaint qu'il va se faire ban. Il dit, ouais, préparation du ban. Préparation du ban dans 3, 2, 1, piou! Ok. Bon, déjà, sur ce point-là, t'as fait un bon truc, t'as déjà fait du 12 sur 12. Let's go, mec! Vraiment. Il nous fait un remake de Chainsaw Man. Fuck, mais putain, il y a une trace encore dégueulasse là-dessus. Alors, messieurs, dames. On a payé en exemple. Bah, sûr, il n'y a plus de bois de chaîne. C'est normal, j'ai tout mis en dalle. Pas sûr, je sais comment pour faire les trappes en chaîne. Il y en a dans le coffre de notre stockage. Ah. Ok. Oh, des planches. Oh, des trappes. C'est bon, mec, j'en ai trouvé. Ah, les gens, vous avez plus l'image depuis tout à l'heure, les gens, je suis le pire streamer au monde. Ouais. Oh, mais putain, je peux pas faire des dalles, des trappes là-dessus, là, OMG. Hop. Et on est reparti. C'est... Ok, c'est vers le haut, là. Nickel. Et on repart pour le suivant. Ah. Ça doit pas être très normal, ça.
Alors, juste une question, Patio. Ah non, ça ira. Je crois que ça ira. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que ça ira. Après, on apprend que tu as largué un missile. Oui, d'accord, oui. Non, mais t'inquiète. Vu que, au final, le derrière, c'est que de la pierre taillée, c'est bon, t'inquiète. Ah, ok, bon, bah c'est bon alors. Donc là, je peux mettre. Faut que je vais encore remplir les coffres. Faut qu'on aura bientôt plus de coffres, rien qu'à cause de moi. Parce que tu vois là. Tu vois, c'est pas grave si tu mets de la glace ici. Ok. Parce que ça va être caché. Ok, donc go spam la glace. Ça va être caché. Ça va genre être comme ça. Tac. On verra rien. Ok, ok. Les gamers, si je te dis qu'il reste bientôt plus de coffres. Plus de ? Si je dis qu'il reste bientôt plus de coffres. Plus de coffres ? Genre, je suis reparti miné vite fait. Genre, avec un nouveau projet, tu sais, mon projet de gauche, du coup. Ouais. Je crois que j'ai rempli tous les coffres de gauche. De gauche. J'adore les. Il n'y a pas quelqu'un qui a des échafaudages. Des échafaudages, regarde le coffre. Le coffre de la moitié de la moitié. Hop. Ouais, déjà pour l'andésite. Bambou, bâton. Ah, là il y en a. Putain de créature, il y aura un peu de ficelle là-dedans. Il n'y a pas de ficelle là-dedans. Ok, nickel. Yes. Bon bah, je prends tous les échafaudages qu'il y a dans le coffre. Hein. Tu prends quoi ? Je prends tous les échafaudages qu'il y a dans le coffre. Voilà. Non, mais j'ai à peine de voir, il y a un autre coffre rempli de. Ouais, effectivement, c'est pas trop grave, Patio. Effectivement. Est-ce que ça veut dire que je dois encore venir vers toi ? Ah bah. Écoute, y'a voir. Hein. Y'a voir, viens voir. Et moi, je suis pas fautif, hein, moi, j'ai respecté le pattern, hein, monsieur. Je vais ramener un petit peu de glace dans votre projet de truc au cas où. Je vais péter un câble. Prends l'initiative, ce connard. Il sait pas prendre d'initiative. Qu'est-ce qu'il faut faire s'il fait ça? Bon, on fait ça et puis c'est tout. Hop, voilà, y'a plus rien. Le mec, il arrache quitte, quoi. Et voilà, il fait rien. Merci. C'était quoi la flash que t'as voulu me mettre là au cul? Tout de suite. Tout de suite les grands mots. Je ne comprends pas. Eh, par contre, à force de faire des allers-retours vers toi, j'ai plus de feu d'artifice. Voilà, et après c'est moi le plus gros consommateur de feu d'artifice, quoi. Bah en fait, c'est à cause de toi qui utilise le plus gros consommateur. Aïe. J'ai le truc dans le mur. Il y a des trucs, je sais vraiment pas pourquoi c'est dans le projet. Ah oui, mais what the fuck, Lara, waouh. Comment ils vont, la commu? Non, j'ai pété la glace, je suis débile. Tu devais pas te... On devait pas arrêter à 22h? Non, c'est 23. Ah ouais, c'est 23. Ouais, parce que du coup, je suis en vac. Pour ça. Ah, c'est 23, je croyais que c'était 22. Ah ouais, c'est 23. Quand c'est les vagues, c'est 23. Alors... Mal le temps, du coup, les gens. Que je reprenne mon portable. Je reprenne la forme d'un P. Alors, touk 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 touk. Voilà. Faut péter ça. Alors, on va faire comme ça. Et tchouk tchouk, tchouk tchouk, tchouk tchouk, tchouk
Tchouk tchouk tchouk tchouk. Bon, je vais m'arrêter pour ce soir. Laissez vos projets. Je vais peut-être continuer peut-être demain soir. T'arrêtes en tout du jour. Ok, pas de soucis, mec. Ok. Pas de soucis. Bah écoute, bonne soirée, mec, du coup. Et puis bah, à la prochaine, du coup. Au revoir. Bah, à samedi, du coup. Salut. Salut. À samedi, effectivement. Vu qu'il y a le King Défendeur. Alors. Ici. Un petit peu trop. Voilà, j'ai réglé l'affaire. Alors. C'est mieux si je fais ça. Oui. Non. Bien. Pas bien. Bien. Pas bien. Eh ben, j'ai plus de... J'ai plus de pierre. Je t'en ai mis dans le... C'est bon, j'en ai. Dans la boîte. Dans la boîte. La porte. Je suis le gars des portes. Je suis la porte. Un, ne sais-tu pas que deux, j'ai un business trois. De porte à porte côté en bourse? 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 1, 2. Ok, nickel. Je crois qu'il va falloir que je refasse un poème. 3, 4, 5. Mais pas sûr, tryhard. Les gens, êtes-vous prêts pour un nouveau poème? Moi, je suis prêt. Mais on va alimenter le poème là. On va alimenter un petit peu le poème là, un peu là, parce que là, c'est. On va jamais s'en sortir sinon, je pense. Fuck. Exactement. Fuck. J'ai trop. Allez, messieurs, dames. On va mettre l'eau magique. C'est de l'eau de mer. Je sais même pas pourquoi on fout ça. Le doc il m'a dit, tu fous ça 30 000 fois par jour. Il y a eu un moment où j'étais malade pendant un mois, mais tranquille. Messieurs, dames. Le poème. L'eau magique. Le poème avec l'eau magique. C'est le feat, tu vois. Vous voyez, c'est le featuring. Oh putain, on l'entend très bien. On l'entend. Couplet 1. C'était le couplet 2, ça. Un petit refrain. OMG. De quoi? Non, rien. De quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, mec? Comment ça, banane? Oh, attendez, y a un troisième couplet là qui. Okay. Attendez, y a de l'aspiration là pour celui-là. Là. Oh, elle est violent le couplet 3 là. Putain, les gens, on l'entend tellement bien. Mais j'ai un micro, mon gars, j'ai l'impression que je pourrais en faire de la ASMR. Regardez, juste entendre le papier. À tout moment, t'entends le détail de l'huître derrière qui fait. Horrible truc. Dis-moi. T'as le bruit du mutant huître qui est dans le mouchoir qui est en mode. Tuez-moi. Soyez témoin. Oh mon dieu. Oh la vache. Ça va vous sinon les gens? Tu
gamer qui décède. Tranquille, mec, tranquille. Ouais, tranquille, mec. J'ai un couteau, dans le vent, tranquille. Tranquille, gros. Ça va, gros. Comme cours, d'ailleurs, demain. Oh, vous avez cours, vous. Oh là là. Oh, j'ai mis tout doux. Oh, j'ai mis tout doux pendant 4 heures. Oh là là. Hein? Attends, quoi? Faire. Attends, on a un problème. De quoi? Il y a une salle, je la connais pas. Une salle, tu la connais pas? Quoi? En gros, j'ai cours demain dans une salle où je ne sais même pas où elle est. Ah, de ton cours, d'accord, j'ai cru que t'étais sur Minecraft, là, excusez-moi. Oui. J'étais perdu, là. Bah, attends, c'est où, ça, Technopole Arc 46? Non, mais t'es dans Dragon Ball, mec, OMG. What the fuck, mec? Je vais envoyer un message à la prof. Wesh! Comment ça, ma ref, là? C'est quoi cette salle, là? Comment ça, ma ref? Oh là là. Oh non, putain, j'ai fait des trous dans le sol. Ok. Nickel. Touk. C'est bon, Mike, tu t'en sors avec ton message ? Je suis en train d'envoyer mon message. Touk. Au secours. Attends les gens, faut que je me tire. 2 minutes. Ça va vous les gens ? Moi ça va très bien, écoutez. Salut à tous, les amis, c'est David de la Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien, moi ça va assez bien. Aujourd'hui avec Mishirachi. Ah, Mishirachi est absente. Coucou. Ah, Mishirachi est de retour. Bah oui, parce que les gens, effectivement, Mishirachi et moi, nous sommes ensemble. Le rêve de tout fan dégustation, là. Slurp. Ah non, je suis tombé encore. J'ai un cœur et demi. Hop là. Et qu'est-ce que tu m'as donné? Ah non, moi j'ai aucun. J'ai pas eu de stream drop, j'adore. Ah. Toi aussi ça marche pas? Je vais me faire voir. Ah, mini poto qui vient drop. Bonsoir mini poto. Je suis bien content d'ailleurs. Tu es dans le chat de Lara. Alors. Donc touk. Le truc du mineur là, c'est horrible, mec. Parce que tu peux pas être précis dans tes cassages de blocs. À chaque fois, t'as toujours le truc qui va te mettre un truc supplémentaire. C'est horrible. Oui, là, du coup, je peux faire ça et ça. Ah oui, du coup, ça cache comme ça, là, et tout, là. Tranquille. Nice. Et un mec dehors qui fait le kekos avec sa moto. Mec, j'ai bientôt fini. Le premier côté.
Merde. Hop. Ensuite, c'est là. Nickel. Touk. Merde, je suis en train de reposer des blocs que je voulais pas. Genre, je suis tout con. Je vais aller le roublard, je suis con. Là. Mais genre, comment veux-tu aller en cours dans une salle où tu te connais même pas où est-ce qu'elle est? Ok Google, amène-moi ma salle de cours. Désolé, vous n'êtes pas bourré. Bah tu cherches, bah, tu LOL cherches. Non, mais... Oh mais bien vu Lara, j'avais même pas pensé à ça. Eh franchement Lara trop forte. Franchement Lara trop forte, franchement les gens je vous le dis, allez vous follow à Lara. Hein. Je suis déçu par mon P. Alors le P, la... le bâtiment ou... Le P, le bâtiment. Ouais, parce que là du coup... Oh putain, je suis déçu là. Ah, j'ai pété là, mais... Ah, j'ai pété et je suis déçu. Prout. Prout. Hop. Tout, 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 tout. Voilà. J'ai fini un côté. Oh. Lara, je t'ai vu, hein. T'as failli me mettre un coup d'épée, là. Tant que je vais voir, vite fait, là. T'as senti mon paix? T'es pas déçu? Bah déjà, tu le... voulais le revendiquer? Bah là, déjà, le P, il ressemble plus à un P, mais avec une... mais en moitié chaussette. Ça passe. Tu veux me faire tabasser? Bon, ça ressemble déjà plus à un P. C'est ouais, ok, vas-y, on repart. Ah! Ou alors toi. Oh, alors la toi. Flèche dans la gorge. Ah merde, j'ai pas mon IP, attends. Oh, alors toi. Regarde où est-ce que t'as mis ta flèche. Merde, attends, j'ai pas pensé. T'as une flèche dans le nez. Attends. Je sais du nez. Oh, je vois la Je sais du nez, au secours. C'est bon. Ah, il y a plus la flèche. Elle est pop. Bye. Il est là, bye. Des gamers, il a. Je l'ai envoyé à Clou. J'ai même pas envoyé les vidéos. J'ai envoyé à la mauvaise personne. Je te demande, mais pourquoi mon truc est sur Clou? Pourquoi c'est pas sur Digamer, sachant que j'ai envoyé la photo? Ça m'a mis bizarre, la vidéo. Oh là là, mon dieu. Allons voir le travail fini des Digamer. Mais regarde, ah, j'ai fait un côté. Faut vraiment que je commence cette entrée parce que je me la prends tout le temps. Regarde, mais j'ai fait un côté, je suis content. Non, t'as pas fini. Oui, mais j'ai fait un côté, mec. T'as pas fini. Mais... Il manque les lanternes. J'ai loupé. Oh là là. J'ai tellement loupé. Ce coup dans le vide, carrément. Il essaie de me carrément, taper, tu sais là. Quoi Tu sais quoi Bah, j'étais tellement loupé que du coup, je reviens. Voilà. Hop, à tout de suite, les gens, je reviens.
Each track has a specific meaning to a specific person. There's no villager song, there's no song for killing creepers. They're all personalized. They're gonna come on when you're doing something unique. What this means is the music is the oral equivalent to Minecraft's visuals. Each world is tailor-made for the player. It's not something that many players would notice, but in this way, Minecraft's music captures the essence of Minecraft in another form. Just like your world seed, Minecraft's music is made for you and your gameplay. There's a reason that Minecraft's music invokes such a strong sense of nostalgia when it's played. The game and its soundtrack are truly inseparable.
Relais Jean. Attendez. Relais Jean. Alors là, lui. Ouais. Alors, sachez juste un truc. Et je viens de me mettre du Vic sur le pif. Qui est en fait du gel très mentholé qui brûle. Prends compte que le Vix, ça se met sur le torse et pas sur le nez. C'est une idée de ma mère. Je crois que tu crois que ça va marcher plus efficacement. Je crois que c'est pas une bonne idée. Parce que là, il y a le pif qui me brûle à mort. Allons voir ce feu ce que fait là. Ah ouh. Ouh. Qu'est-ce que je fous là? Les gens, je suis enfermé. C'est ça, je crois. Désolé, une petite maison en pierre. Ça va vous? Ah bah ça va, hein. Ah la vache, sa mère. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh, sa mère, là, chiou. Wouhou! Ça va vous? Attends, je vais aller voir Daniel, ça fait longtemps. Eh, hey, Daniel, mon vieux pote! Ouais, il a toujours baissé ses prix, c'est bien! En tout cas, ça... Il a toujours raccommodé la semelle givrante! C'est super efficace, hein. Ah, ça réveille à la fois, ça m'endort. C'est une horrible sensation, les gens. Daniel! Il est gentil, Daniel. Ah, sa mère! Non! J'ai pété la glace. Les conseils de Serge le Lapin. Ne mets pas du Vic sur son nez. Tu risques de te brûler très, très fort. Qu'est-ce que t'as, crâne d'œuf? Tu me regardes comme ça? Y'a crâne d'œuf qui est me fixé. C'est qui crâne d'œuf? Je sais pas, c'est un des copains de Lara. Ah d'accord. Ah t'es chez Lara? Ouais, je suis parti faire un tour chez Lara pour voir ce qu'elle fait. Ok. Ah oui c'est vrai, Lara a construit toujours sa maison là. Oui. Ah je vais aller voir vite fait là. Ouais, les gens, si je peux vous conseiller, ne vous mettez pas du Vic sur le pif. Ah, sa mère. Ouais. Je suis fatigué. Mon pif, il est en mode... C'est horrible. J'ai plus de feu d'artifice. Mec, what the fuck? T'as un chemin de fer qui existe? Ah, c'est vrai qu'il y a les chemins aussi à faire dans le village, là. À vous. Moi, c'est insupportable. On m'a toujours dit qu'il faut souffrir pour guérir. Ah bah ouais, là, je douille. Non, mais là, il y a peut-être un problème. Là, je douille. Oh, sa mère. Mais... Ça va, hein. C'est tranquille, hein. Mais what the fuck, pourquoi il y a une tête de patio dans le tunnel de minecart? Prends mon chemin de fer dès que tu arriveras juste à côté de chez moi. Ton chemin de fer? Attends, genre ton chemin de fer il s'arrête juste à côté? Insane? Insane, insane. Bon bah j'arrive. De toute façon j'arrive, je suis arrivé à Potter là. Potter qu'il va falloir d'ailleurs qu'on fasse les chemins. What the fuck? Ah non, ouais. Non tu juges pas. T'as un coup d'épée. Ok. Ok bah en vrai en fait là j'ai. Le Vic. En vrai je sais pas quoi dire parce que c'est mieux que nos builds avant que Passu arrive du moins. Donc, ouais, GG, hein. GG. Attends, on va faire une deuxième miniature.
Non, en vrai, on va garder le P. On va garder le P parce que j'ai déjà la miniature. J'ai déjà le titre. Avec la fleur. Voilà, je dépose non, mais j'ai, ma... non, j'ai pas déjà... la bonne maison. J'ai déjà le titre de je la miniature. Je dépose ma fleur sur le pas de la porte d'entrée. J'ai déjà le titre de la miniature, ça serait en mode on a merdé, trois petits points. Sinon, c'est bon, la structure du P, elle est faite. Ah ouais? Bah, tu veux repartir sur tes, ma... sur tes machins et puis moi je continue le... la suite? Bon, je vais planter. Ok, c'est bon. Je vais aller dans le Nether. Ah, ok. Ah, alors. Désolé, j'ai cassé de la redstone. Non! Je voulais pas te renvoyer de l'autre côté. Cours! Ok, mec, je cours! Aïe! Aïe! Je t'ai relancé, t'es méchant! Ouais, mais du coup, tu m'as mis un coup gratuit, quoi. Tout comme que j'ai mis une flèche gratuite, quoi, donc bon. Les trois cœurs! Ah, j'avoue! C'était magique! Salut! J'arriverai pas à temps! Si, j'arrive à temps! Tiens! Ah. Tiens, je vais te rendre tes shulkers du coup. Ah bah, je vais plutôt te rendre tes blocs du coup. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai repartir sur sur le P. Bah, je t'ai dit que j'allais dans le Nether. Tu pouvais continuer le tunnel. Non, non, ça bon, c'est ma hache. Je vais dans le Nether. Ah, t'as pas des feux d'artifice d'ailleurs? Des feux d'artifice. Ici là. Merci. Putain, je t'ai retiré la bouette. J'ai eu le temps surtout de choper un stack. Ah ah, ah, ah. Oh, ça va, j'ai les moutons en otage. J'ai les moutons en otage. Bon, on s'en fout, on a une ferme à moutons maintenant. J'ai le moteur d'un otage. On est une ferme à moutons maintenant. Pas faux. Ah, ah. Aïe. Ah, il fait un peu plus Marc, mais il fait un peu plus mal l'arc. Ton arc il fait plus mal que ton épée. What? Ça lag. Ça lag de... Merde, pardon. Ah, oh, je t'ai tué avec place. Je t'ai tué avec place, je suis désolé. Merde. Et hop, ça c'est à moi. Ah merde. Et hop, ça c'est à moi. Ah, il va redaille. Il va recanner. Il va recanner. Non. C'est bien, on ferme les têtes, mec. Ils sont où, les fireworks? Ils sont où, les fireworks? Stonk. Stonk. Arrête, je trouvais plus mes fireworks. Et là, mec, tu commences à revoler tes élytras, et tes élytras, ils se brisent, et tu tombes comme une merde. Ah, c'est pas le bon, c'est l'autre. C'est pas du jeu, t'es en hauteur, toi. Ouais, c'est ça, ouais, le sud, le sud. Eh, par contre, sans deck, j'ai perdu les fireworks. Genre. Ça va, je te fais pas trop mal.
comprends rien. Aïe. Oh, let's go. Let's go. Attends, j'ai vraiment... Ah, merde. Mec, tu veux pas ouvrir ta porte? Coucou. Mec, vas-y, colle-toi devant ta porte et ouvre la porte. T'es con ou tu fais exprès? T'es con ou tu fais exprès? Mec, attends, vas-y. Tu te colles bien devant ta porte. Colle-toi bien devant ta porte et tu l'ouvres. Vas-y, mec. Attends, je suis Kiblo. Attends, je suis Kiblo. Attends, je te débloque. Je te débloque, mec. T'es sûr d'être en coup, là? Oui. Bah non, en fait. Ah non, mon stuff est là. Par contre, j'ai vraiment perdu les... Ah bah ça, c'est ton problème. Des feux d'artifice. Ça, c'est ton problème. Je suis mort où la première fois? T'es mort là-bas, là. T'es mort là-bas. Aïe. Ah, au secours, on m'agresse. Bonjour. Je fais la danse du queva, on regarde. Non, je t'ai loupé. Yes. Mais je suis une merde à l'arc. Mais OMG, je suis une merde à l'arc. Arrête de tourner. Je file, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Tony. Aïe. qui a débarqué juste pour mon colis. J'ai vraiment perdu les... Mais putain, non, ils sont où? Je sais pas. Mais ils étaient là. Mais regarde, j'suis dans ton inventaire. Y'a rien dans mon inventaire. Mais moi non plus. Jure. Bah oui. T'es bien à 2 coeurs et demi. A été condamné à tomber par un D-Gamer France avec un Excalibur DD. Avec un Excalcube DD. C'était magique, tu montes les échafaudages, moi je les casse. Ah oh là. C'est pas mais vraiment. Je prends rien, ça m'énerve. Bah toi non plus, hein. Ça part en fight dans l'eau là? Allez, go! Bah alors mec, on a pas un casque respiration? Allez! Oh oui. Allez. Allez. Allez.
Allez. Mais mec, tu prends de Mickey au OMG. C'est quoi ce fight dans l'eau interminable? Ah, ça va mec? Dauphin, aide-moi! Oui! Ah! Il a rien pris! Eh bien là! Non, il va s'enfuir! Yes! Repassez ma carte! Repassez ma carte! Mais en plus, il me salit le machin! Trou de cul! Reviens ici! Attends, tu vas voir toi? Oh, alors toi, tu vas voir! Bah, en fait, non, tu vas pas voir parce que j'ai pas ce, qui... j'ai pas ce que je cherche! Salut mon pote! C'est qui est parti? Putain, il a pris le minecart! Ah l'enfoiré! Ah non! Let's go, j'ai gagné! Ou alors là. Ou alors là, tu vas voir si tu vas, si tu vas gagner toi. Ou alors là. Salut mon pote! Quoi? Mais il est pas là le minecart! Quoi? Oh, il m'a pris, le bâtard! Il m'a pris, le bâtard! J'ai c'est magnifique! J'ai oh, ce move magnifique! Mais il m'a brain! Oh l'enfoiré! Je suis vraiment passé sous toi! Tu m'as pas vu! Où c'est qu'il est? OMG, il est où? Il est où? Il est où? Putain, ok. Je sais où il est. Je sais où il est, le bâtard. Vas-y Lara, chope-le, chope-le. Ah, j'ai pas de feu d'artifice. C'est de la triche. Ah merde. C'est quoi cette course poursuite de Tardos? C'est quoi cette course poursuite de Tardos là? Merde. Allez. Allez là! On marche sur les tombes et tout ça, let's go! Allez! Mais attends, je suis con! Donne ta tête! Non, je me suis bloqué avec un bloc! Ah, ah, ah. Casse-toi! Non. Ah yes. Non, le Minecraft. Le Minecraft, le bordel. Non. Non. J'ai plus qu'à attendre le Minecraft, OMG. Bon, moi j'attends le Minecraft. Hop là, c'est bon, je l'ai. Je l'ai récup.
putain, il est là-bas. Course poursuite. Il est là-bas. Salut mec. Salut mec. J'ai récupéré ta tête mec. Non, je me suis bloqué. Putain. Il est parti où? Il est mort. Oh let's go. Oh let's go. Oh dream. Bien. T'es un tricheur. Dream. En même temps t'es pas très fut parce qu'il y a un coffre à Enderpearl dans le... dans l'entrepôt. Bien. T'as l'enfoiré. Merde. Je vais mourir comme ça quoi. Merde. Non. Lâche-moi. Non. Oh. Je vais pas crever chez le Mickey. Merde non, j'ai loupé. Passion. Yes. J'avais plus que deux cœurs. J'avais plus que deux cœurs, mec. Je suis dégoûté. La porte, elle était là. Ouais, luxury le dé. Oh mon dieu. Mais j'avais plus que deux cœurs avec mes conneries de feu d'artifice dans le machin. Je suis dégoûté que t'es pas mort. J'avais que le seul endroit où je pouvais te semer, c'était dans le tunnel parce que t'allais prendre trop de dégâts, mais t'as quand même réussi à me tuer. Ouais, franchement. Et je suis dégoûté parce que je pensais que la porte, elle était ouverte et que justement, j'allais la fermer en passant, mais elle était fermée. Tu serais pas en train de m'attendre, là. Non. Non, non. T'as fait quoi là? Il s'est passé quoi? J'ai activé un peu d'artifice pendant que je volais, du coup j'ai... ça m'a le terminé. Bien. Oh bien là. Je te tiens. T'es où? Putain, il est parti où? C'est qui il est? Il est rendu où? Il est dedans là? C'est qu'il est. Je suis dans le tunnel. Putain le bâtard. Hop. Et bah allons-y. Merde. Oh le fils de chien. Mais dis, attends, il était là ce mur. Non. Ah, il m'a fait flipper l'autre. Quelqu'un pour Dodo? Non. Putain, bâtard. Eh bien là! Non! You, il est là. J'ai plus que deux cœurs. J'ai plus que deux cœurs. Non, c'est fermé! C'est quoi ces courtes poursuites de con? Yes! Ça fait le troisième pseudo que je récupère quand même, hein. Et hop, ça fait la troisième tête que je récupère.
Let's go les gens. Oh là là. Attention, il quelle heure il est? Quel enfer le pauvre. Mais c'est pas grave, comme ça on pourra faire des Mr Beast, on pourra faire des œufs passionnés en espagnol, en russe. Lâche-moi. Why are you groaning? Why are you running? Aïe. Oh ça va, t'as mis vie quoi. Non, ferme-moi pas le machin. Eh merde, il a fermé le machin. Et merde, il a fermé le machin. Maman. Maman. Aou. Mais ouais, t'es où? C'est magique. C'est magique. Il est où? C'est qui lui? C'est garé où? Il est pas là? Non mais attends, mais il est où? Putain les gens, c'est un concept à faire. Un cache-cache dans tout le monde des Terria. Oh le concept de fou! Oh le concept de fou qu'on pourrait faire! Putain les gens, je viens d'avoir l'idée de ouf là. Ah! Alors. Alors. Merde, j'ai pété la glace. You. Pourquoi on se bat déjà? Je sais pas, c'est toi qui me cherches. Ah oui, c'est vrai, les têtes. Où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est rendu? Où il est où? Il est retourné là-dedans. Où c'est qu'il est? Patio. Patio. Non. Patio. Tu sais ce qui t'a cramé? Si. Ta paire d'Elytra. Non, je l'ai pas eu. Let's go. Non mais en vrai mec, c'est un truc de ouf à faire pour la fin du serveur. Genre un cache-cache dans tous les villages. Ça serait incroyable. Un truc à Mr Beast là. Oh, mec, l'idée de vidéo de ouf là. Eh, par contre je suis dégoûté parce que j'ai essayé d'ouvrir la porte, ça a pas marché. Je voulais qu'en ouvrant la porte tu croyais que j'étais sorti. Et que j'allais me cacher dans le dessus du garage à bateau. OMG. Non mais mec, en vrai, là, t'as trouvé une idée de concept à faire, là. Un énorme cache-cache dans tout Etheria. Oh, par contre, mon armure, elle a pris tellement cher. Ah bah la mienne aussi, c'est heureusement qu'on a affaire à Enderman, j'ai envie de dire.
Ouais, messieurs, dames, on a bien à rigoler. Maintenant, je pense qu'il va être temps de maintenant, s'arrêter. Maintenant, c'est la fin du live. Maintenant, c'est la fin du live, effectivement. Donc, écoutez les gens. Moi, en vrai, je vais y aller. Lara, est-ce que tu continues de ton côté, vite fait, là? Histoire de voir s'il faut que je te raide, si je te raide ou pas. Lara? Bon, allez, moi, je te laisse. Il y en a qui m'attendent. C'est non, tu continues sympa. Non, tu connais pas, tu continues pas de ton côté. Bon, écoutez les gens. Bah moi, j'ai arrêté mon live là-dessus. Donc, écoute, bah merci Lara de m'avoir accompagné dans ce live aussi, de ton côté avec ton live. Et puis, bah merci à Passionné de m'avoir accompagné aussi, hein, tout simplement. Moi, je n'ai rien. Moi, j'ai du coup parce qu'il y a un zombie qui m'agresse. Hop là. Hop. Du coup, les gens, je mets la cam. Et puis voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Donc écoutez, merci à tous d'être venus. Merci à Lara d'être venue également, ça fait plaisir. Voilà. Et puis voilà, hein, tout simplement, on se retrouve demain de mon côté pour du Mario Maker. Et puis après, on se retrouvera, je ne sais pas quand, du côté de Lara. De toute façon, je pense qu'elle le dira dans son chat. Du coup, voilà, où vous pourrez nous retrouver respectivement sur nos lives. Voilà, bien évidemment, où on jouera à plein de trucs, où on joue à plein de trucs aussi de chacun de notre côté. Voilà, vous pourrez retrouver Patio bah, dans mes lives, tout simplement. Yes. Parce que lui, il a pas de chaîne live en fait, et il est modérateur de ma chaîne Twitch. Et puis c'est tout en vrai. Je pense que je vais pouvoir cut là. Donc écoutez, merci à tous ceux qui sont venus ce soir, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, merci encore à Enderice de son resub pour le 4e mois consécutif. Ça fait plaisir ça. Et puis voilà, moi j'ai pouvoir m'arrêter là. Donc écoutez, les deux zouzous qui sont dans le chat, et ben je vous dis bonne fin de soirée à vous. Et puis à la prochaine du coup. Voilà, et puis moi je vais déco ici. Voilà. Donc sur ce, écoutez, bonne soirée à vous du coup, comme je le disais. Salut. Ok, c'est le vent du coup les gens. Ah oui, c'est vraiment le grand vent là les gens. Ah oui. On quittera là-dessus du coup. Hop, du coup les gens, on va pouvoir se quitter là-dessus. Donc écoutez, merci à tous d'être venus. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Voilà. Et puis on se retrouve tout simplement pour le prochain live. Donc sur ce les gens, comportez-vous bien. C'était des Gamer France qui vous dit à l'insta vista. Salut tout le monde. J'ai oublié de préparer mon outro OMG là. Regardez ça, j'ai oublié de me préparer mon outro là. Je suis incorrigible. À l'insta vista. Salut tout le monde. Je disais.